Bonsoir. Bonsoir. Ah, incroyable. Bob, en plus, wow. Bob. Ah oui, et oui, en plus on a Bob. Il est pas là. Et oui. Bah, t'as tout spoilé. Ah bon, ça y est, de suite on arrive et bam, tu claques tous les trucs, quoi. C'est bon, c'est réglé. Rip Bob. Mais on entendra que lui. J'étais un Pokémon et j'étais fier, mais du coup c'est foireux. Aujourd'hui Bob va pouvoir nous faire. Je suis la voix. Et tu vas pouvoir le faire très très bien. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et je vais surtout. Je vais surtout pouvoir faire ici en direct du duplex à New York où nous avons 3 secondes de décalage avec le stream. Nous sommes. Et ça va être absolument parfait. Bonsoir tout le monde, du coup, bienvenue dans cette grosse soirée Monster Hunter World. Alors, vous êtes sur plein de chaînes. Là, vous êtes sur plein de chaînes. Il y a Xeleco juste à côté de moi, également Altair, également Benza, également Mizu. Vous avez aussi Bob Lennon qui est chez lui. Des gens qui connaissent plus ou moins bien la saga Monster Hunter, des gens qui ont 1600, 1800 heures. Combien d'heures, pardon? Absolument pas. 1800, je crois que j'ai vu tout à l'heure, hein, c'est absolument indécent. Ah! Et d'autres un peu moins d'heures, effectivement. Bah, j'ai pas de vie, c'est tout. Et non, mais tu es juste très fan du jeu, tu y as juste beaucoup joué. J'aime beaucoup. Et donc voilà, l'occasion de la sortie de Iceborne, on va se retrouver tous ensemble pour faire un petit peu de la chasse, tout simplement, avec des monstres plus ou moins accessibles. On va essayer de voir des choses un peu simples et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et tout ça, bah, du coup, avec un petit peu quelques défis, des choses à vous faire gagner. Bref, une bonne grosse soirée des familles où on va pouvoir partager un petit peu de Iceborne. Alors juste. Petite présentation rapide pour que tout le monde connaisse absolument tout le monde. Déjà, Bob, qui est avec nous. On va commencer par toi, tiens, Bob, pour une fois. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et je suis loin, voilà. Je n'ai pas été autorisé par ma femme à voyager. Interdit, puni. Voilà, je ne peux pas. C'est pour ça que vous me retrouvez demain en convention à Valence. C'est un truc qui n'a rien à voir, c'est pour ça. Et du coup, nous avons un plateau rempli de gens absolument exceptionnels et exceptionnellement délicieux. Vas-y, continue. Ok, je continue. On va commencer par Xeleco, du coup, qui est juste là, Xeleco, qui connaît très très bien le jeu, que vous connaissez peut-être sur YouTube et sur Twitch, où tu fais en ce moment d'ailleurs Monster Hunter World Iceborne. Ouais, clairement, pour l'instant j'en suis qu'à une petite cinquantaine d'heures de jeu, mais c'est plutôt pas mal et ça a l'air plutôt prometteur pour pouvoir en faire pas mal de plus. Quoi. Ça c'est la magie de Monster Hunter quand tu dis un petit peu joué, j'ai 50 heures, tu vois. Déjà, tu vois, ça pose les bases directes de l'attente en termes de contenu. Je suis également en compagnie de Altair qui fait beaucoup de live sur Twitch, qui joue aussi beaucoup au jeu. Tu en es dans le end du endgame. Je suis dans le endgame. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien et c'est très dur. Ouais, tu veux nous en parler, je pense, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une des grosses questions, tu vois. Est-ce que finalement, bah, quand t'as terminé le jeu, il se passe des choses après? Est-ce que tu te limites à l'histoire comme moi? Ou est-ce que finalement, tu vas aller un peu plus loin que ça? On va aller un petit peu plus loin et on va rencontrer des monstres très difficiles. Retour d'une belle difficulté qui n'avait pas été vue dans Monster Hunter depuis plus de 10 ans. Hein, quand tu penses à 10 ans, tu penses à la PSP, du coup? Exactement. Exactement. Oui, Freedom Unite, à savoir des gentils monstres qui te tuent en deux coups. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est-à-dire les conditions de jeu de gens qui vont peut-être juste terminer l'histoire et puis aller un peu trop à l'aveugle sur certains monstres un peu trop compliqués. Exactement, mais sauf que ça reste quand même accessible et faisable, mais on est sur un retour de la difficulté. Ça avait été demandé à Capcom suite à Monster Hunter World, donc vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je suis également avec Benzaï qui a streamé le jeu. Alors, j'ai une réclamation à faire à Benzaï. J'embraye direct sur les dossiers, tant qu'à faire. Il paraît que t'as pas aimé ton personnage, Benzaï. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Je me suis dit, bon, voilà, on m'a filé dans les mains un personnage qui était certes au level, mais qui ressemblait à attention à ce que tu dis. À une soin qui cherche des gars sur Geek Mimore. T'étais d'accord, hein, j'avoue. J'ai une preuve, voilà, quelqu'un de bon goût a validé que c'était pas terrible. Qui n'était pas de bon goût. Voilà. Et du coup, je l'ai un peu relooké le personnage pour qu'il soit plus à mon goût. C'est-à-dire, déjà, je cachais son visage. Et je lui ai mis des rouflaquettes aussi. Ah oui, c'est vrai que t'as commencé par. Elle a de la barbe, oui, bien sûr. C'est terrible. Au point où on en était, quoi. Et du coup, en fait, moi, je pensais que c'était un personnage qui appartenait à Capcom, fait par un bot en Chine, je ne sais quoi. Et en fait, non, il y avait des heures humaines et quelqu'un qui l'appréciait, tu vois. Et du coup, mon ami d'enfance te remercie très fort pour tous les gentils mots que tu as dit au début de ton live vis-à-vis de son personnage. Il était pas ravi. Et donc, également Mizu qui a beaucoup joué au jeu. T'as beaucoup joué à Iceborne, du coup, ou t'es en train d'attaquer? Bon, la vie, tout ça, a fait que j'ai pas mis autant de temps que j'aurais voulu dans Iceborne pour l'instant, mais la licence en général, Monster Hunter, oui, je les ai tous faits. Je me rappelle qu'on avait fait la preview de World ensemble, où t'avais poncé le jeu vénère. Plutôt vénère, Bien attaqué sur le truc, effectivement. C'était plutôt bien. Bon, alors du coup le programme d'aujourd'hui, il va commencer très simple en fait. On va se faire une petite chasse à la cool avec le Bandbarrow, donc qui est un monstre un peu de départ, on va dire, pour essayer de se familiariser un petit peu avec tout ça, ce qui va vous permettre aussi de vous échauffer. Je pense à Ben et à Bob surtout pour exclusif à Iceborne d'ailleurs.
qui en là, plus... Là, on est sur de la nouveauté. Ah. Oui, qui est de la nouveauté. Nouveau. Et après... Le décor, on parle un petit peu du décor quand même, parce qu'on est... On en parle juste après. Ah oui, le setup. D'ailleurs, je suis dans la jalousie, hein, donc on en parle. Ah oui, tu parles de là. Bah oui. Oui, ici. Ah non, ok. Bah, attends, vas-y, je t'en prie, bah c'est quoi. On est bien parti, vas-y. Cette cornemuse. Voilà, merci. Est-ce que je peux avoir le bruit de la cornemuse pendant que je joue, s'il te plaît? Avec des goodies. On m'a pris ma patte. Tiens, ah, la patte, elle est là. La patte. Elle est là. Elle est parfaite. Du féline, hein, n'est-ce pas, qui va servir à corriger les. Et ça, c'est le bouclier. Ah, c'est un bouclier. Oh, le bouclier. Oh, les amis. Tiens. Oh, mon Dieu. Ouh, il est dangereux. Incroyable. On dirait que c'est pour bouffer. En vrai, il y a la Max. Il y a même les petites clés USB, s'il te plaît, avec le truc du féline. Ah, ça, c'est des clés. Attends, Benzaï, Mizu, est-ce que vous pouvez montrer les amiibo que vous avez sur la table? Tu parles de ces petites figurines qui sont juste là. C'est plein de monstres. Et il y en a beaucoup qui sont pas dans Iceborne. D'ailleurs, c'est bien dommage, notamment le Mizu Tsune pour l'instant que je n'ai pas vu. Peut-être qu'il est dedans, hein, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu. Et c'est mon monstre. C'est celui-ci là. Celui-là. Et le Kezu, j'espère qu'il n'y est pas parce que c'est une saloperie de monstre. On le déteste tous. Et là, il y a l'Agnator. Xeleko, juste derrière toi, t'as une étagère, prends un objet à la con. Attrape la peluche. Plein de goodies derrière. Moi, c'est le morceau de viande là. Qui, qu'est-ce que tu veux manger? C'est un mignon Kakuga mignon. Mais il est très mignon. Il est stories, je crois. Il est très stories. J'ai pas envie de dormir avec. Et donc, on va démarrer. On va pouvoir lancer tout ça. On a fait une salle. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Nous avons des places pour vous. Sachant qu'on va faire en duo. Donc, en gros, je joue avec Xeleko. Toi, Altair, tu vas jouer avec Benzu. Enfin, Benzaï, pardon. Pas du tout. Non, je joue avec. Ah, tu joues avec Bob, pardon. Bob est mon partenaire. Ah, mais t'as tellement de laissez-moi mon duo, s'il vous plaît. Laissez-moi Benzaï. Bob, il m'embête, le monsieur là. Bob, fais quelque chose. Et donc, Benzu sera avec Mizu. Et c'est très bien. Oui, depuis le 1. Alors, vous allez pouvoir en rejoindre. Est-ce qu'on peut afficher l'écran, s'il vous plaît, en régie? Voilà, ils comprennent très bien de quoi je parle parce que je les ai eu en message privé tout à l'heure. C'est peut-être à eux qui appartiennent les comptes. Alors je tiens juste à rajouter, moi, de ma position en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que le perso Silver qu'on m'a donné cette semaine, parce que Benzaï a récupéré le perso que j'ai eu la semaine dernière, donc je sais plus comment ça s'appelle, Manako quelque chose, avec les cheveux roses. Moi j'ai reçu le perso le plus viril qu'on ait jamais vu dans un Monster Hunter. Même Altair, il était sur le cul. Et pourtant, Altair, il fashionne. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'écran Je sais pas si on. Si d'ailleurs, c'est Altair a la plus grosse télé du studio, je tiens à le dire, et c'est une infamie. Oui, voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas juste. Alors attendez, je vous montre le Silver, donc effectivement. Ouais, alors, ceci est VIP. Grosse télé. Hein. VIP, c'est tout. On veut le voir habillé et à poil, Bob. Parce qu'il y a quand même une différence majeure. Alors, voilà, attends, déjà regarde mon chat. Voilà, c'est l'histoire de la vie. La. Ok, très bien, je me relève. Recyclé, tiens. Le perso avec une armure exclusive Iceborne, bien sûr, et la moumoute, t'as jamais vu autant de fourrure. Le mec, il a décidé de transporter sa table, son tapis, sa maison. C'est la violence, il est ultra classe. Hein. En vrai, c'est l'armure de Bambaro, d'ailleurs, qu'on va faire juste après. Ah, c'est vrai, c'est Bambaro ça. Bambaro n'est pas c'est l'armure de Bambaro. Espagnol. Mais je suis tellement jaloux, parce que donc là, t'as la version homme qui défonce, et la version femme est un peu moins bien, je trouve, justement... Attends, regarde Atto. Attends, tu m'as dit d'enlever l'armure et attention, c'est vachement moins épique, t'es prêt? Et ça, et voilà pour le bas. Bonjour, je m'appelle Silver, gros aventurier, viril les mecs, viril. En vrai, tu es parfait, tu es parfait comme ça. Petite Paul Jacques. Petite comment dire, petite info importante. Donc on est dans la zone en fait centrale dans laquelle on peut se retrouver tous en multi. Donc bien sûr grosse composante du jeu. Et donc la salle, vous allez l'avoir affichée dans 2 secondes. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le mot de passe qui est en haut à droite de mon écran en régie. Je sais pas si quelqu'un peut le faire ou pas. Là, donc Altair, du coup tu disais pour la cuisine, excuse-moi. La cuisine, c'est très important dans Monster Hunter, car un chasseur qui a le ventre vide est un chasseur qui est mort. C'est vrai. Et qui n'est pas compétent. Donc, c'est vrai. Je l'atteste en live. Prenez place, gentes dames, et festoyez à la table, car le chef féline vous préparera les meilleurs plats du monde. Oh, c'est trop cool, de trop mignon. Tout simplement. Généralement assez riche. Généralement assez riche et généralement on mange tous pour de l'attaque parce qu'on est des gros bourrins qui courent c'est vrai. Et on veut tuer les méchants. Parce que ouais, alors ce qu'il faut que tu dises, c'est que justement, en fonction de ce que tu manges, tu vas avoir dans le buff de défense, buff d'attaque, t'as aussi des trucs élémentaires il me semble. Oui, résistance élémentaire, on a pas mal de petits buffs différents ainsi que des petites skills qui vont s'ajouter à nos équipements pour parfaire nos builds et puis devenir de plus en plus alors je crois que sur le retour l'écran où c'est marqué Mizu c'est le mien. D'accord. Fais ta sacoche Benzaï. Mais oui, il faut que je fasse ma sacoche. Voilà. De quoi j'utilise tout ce qu'il y a sur mon écran.
Ah oui, d'accord. Le PL de ouf. Ah bah oui, mais faut que je recopie. Tu recopies ma copie. Je recopie sur la voisine, voilà. Voilà. Alors, en vrai, c'est beaucoup de conseils. Ah, ils sont partis en quête vite. Ah, vite. Allez, go là, hop, 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 là, on lance, là, on lance. Bim, bim, bim. C'est bon, c'est bon. Non, mais vous avez le temps. Je suis au camp 15, ils sont au 5. Donc, déjà, le temps que je traverse la moitié de la toundra. Mais on va le trouver en premier. Ouais, non, mais c'est bon. Bob, c'est un boulet. Je vais suivre la trace. C'est un boulet qu'on traîne dans les quêtes. Alors sur le chat, tu vois, il y a. Boulet, mais fashion. Ah. Il y a Okami qui dit je rêve ou Bob commence à kiffer le jeu. Je précise que Bob, ce jeu est un jeu pour toi. Vraiment, j'insiste et je le. Ah, je, oui, tu non, m'as, je tu le m'as trigger. Tu t'as dit Okami, c'est le nom de mon chien. Je me suis dit, what, ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Okami sur le plateau. Il y a Okami sur le plateau. Mais je reconnais que j'ai découvert les Monster Hunter la semaine dernière. Je les connaissais pas du tout et que je me suis éclaté. Et que comme j'avais joué à Dragon's Dogma, finalement, beaucoup de mécaniques étaient similaires. Fort heureusement, parce que sinon, ça aurait été la galère, si tu veux. Suis-moi. Parce que je peux appeler mon Pokémon. Alors j'espère que vous aurez bien le son du jeu sur le chat. N'hésitez pas nous dire si jamais. Ça c'est un décor d'iceberg. J'ai repéré la bête. C'est le plateau de corail. Hein. Ah non, c'est je répète, corail, j'ai d'accord. Repéré la bête. Alors pourquoi est-ce que vous êtes sur le plateau de corail alors qu'on est censé faire un bambaro? Bah, j'ai lancé un bambaro en contrat et j'étais persuadé qu'on était sur le givre éternel. Bravo. Mais c'est quand même le même monstre. Ah oui, mais c'est pas les mêmes PV si t'es en contrat. Mais ça non permet de montrer bah, différentes si maps. C'est vrai, c'est oui, vrai. Oui, ça permet de montrer différentes maps. Voilà. Voilà. Merci. Arrêtez et c'est pour de tacler cette pauvre Mizou. Mais non, mais jamais. Ah bah le Vla, tu vois, nous on a de la chance. Hop, voilà, il est déjà là. Et du coup, je. Vas-y, Altaïr, Seb et Billy, commencez à taper dessus, j'arrive. Vas-y, merci. Tape dessus, Benzou. Alors, Bob, je dois te coacher, donc oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Je fonce. J'ai peur de la première charge là, mais attends. Alors, qui joue quoi quand même? Et monte dessus avec ton grappin. Non, c'est pas ça. Ah, mais oui, mais alors, du coup, est-ce que maintenant j'ai le grappin? C'est pas un Barrios? Non, celui-là il va te faire mal, Bob, fais attention. Le Barrios, il va te faire mal. Fais attention à ses cheveux de corne. Je pense qu'il va te souffler, tu vas pas le sentir. Voilà, et là tu montes dessus avec ton grappin et tu l'affaiblis. Est-ce qu'on a repéré la bête? Bob, est-ce que tu l'as en visuel? Alors absolument pas, je suis encore assez loin, donc ne vous focussez alors, pas avec la caméra sur moi, les là, enfants. Là c'est dur de lui taper la Bob, tu es bien sur Monster oui, Hunter. Il est un peu haut, mais accroche-toi avec le grappin. Oui, mais la version 3DS. Ah oui, ah, merde, d'accord, c'est la meilleure. Dessus. Très bien. Ah, bah nous on est déjà chaud, il est presque mort là, Bob, t'inquiète. Voilà, et tu te déplaces jusqu'à sa tête. Et là, triangle. Alors, petite info importante, voilà. S'il vous plaît, messieurs, dames, quand même précisons-le. Alors, voilà, pour vous. Ah, sa gueule de merde. C'est bon, Ben, t'es dans le jeu là. Il s'éclate, bien. Il s'éclate. Oh, il est beau. On est sur une nouvelle zone, alors pas Mizu et Ben, mais on est sur une nouvelle zone. On est sur la. Alors, c'est le givre. Xelko, comment ça s'appelle? Éternel. Ouais, éternel. Et alors, du coup, la zone, comment est-ce qu'on y arrive? Pourquoi? Comment est-ce que. Xelko, t'as bien suivi l'histoire ou quoi? Alors, en fait, au niveau de World, quand on termine, tout simplement, il y a une anomalie qui se passe avec les Legiana. Ouais. Et donc, comme ils recherchent, ils se rendent compte qu'en fait, les Legiana sont en train de migrer sur une autre île. Et là, c'est là qu'ils découvrent justement cette nouvelle carte un petit peu glacée, tout simplement. D'ailleurs, de ton côté, Atomium. Je te conseille de prendre une boisson chaude, sinon ta barre d'endurance va diminuer fortement et oui, tu vas te retrouver en misère. Cet homme de la lucidité absolue. Non, parce que là, je suis en train de regarder 4 écrans en même temps, 18 chats, je suis en train d'essayer de faire attention à ce que tout le monde dit, ouais, c'est non, très compliqué. Si ça, genre, il y a beaucoup de. Voilà, la même chose que Ben, exactement, donc c'est pour ça que je. Nous, on est au milieu de la guerre, hein, ça se passe plutôt bien. Bon. Muscle ton jeu, Bob. Muscle ton jeu, Bob, je te l'ai déjà dit. Muscle. On verra plus tard pour le piment, je c'est suis, pas grave. Je mais... suis easy, je reviens. Le monstre est plutôt affaibli, donc tout se passe bien. Vous avez pas répondu à qui joue quoi comme arme, s'il vous plaît, Mizu. Ah, Dual Blades pour le moi. Le marteau. Le marteau pour Ben. Ah, Altaïr, oui. Tu joues quoi? La Switch Axe. Ah, meilleure arme, t'as raison. La Switch Axe c'est la morpho. Ah, ouais, je la connais pas, il paraît que c'est trop bien. C'est très très bien. Je vais me focus sur la Switch Axe, moi, dans Iceborne. Ouais. Une tuerie, ouais. Une belle tuerie. Et toi, Xavier, du coup, t'as la morpho H aussi. Morpho H aussi. Ah, l'arme des vrais, ça. Eh oui. Comme par hasard, il y a deux gens qui connaissent très bien le jeu et jouent ça. Ah non mais non, je suis bête, Mizu toi aussi connais bien. Bah oui, merci. Excuse-moi. Mais non, mais c'est parce que vu que t'as dit tout à l'heure pour Iceborne que t'avais fait que le début, dans ma tête c'était genre voilà, c'est ceux qui connaissent Monster Hunter Iceborne c'est bien. Tiens, je suis sur sa tête, Attention, oh là là là, ça grimpe là, c'est bon ça. Mais c'est vrai que c'est bien cette mécanique là dedans. Vas-y, ouais, tout ça c'est bien. Bob, t'es bien là, Bob. Et je pense que c'est une mécanique qui est vraiment vraiment utile pour le coup pour faire mal au monde. Il est tombé. Parce que c'est des sacs à PV. Ouais. Ouais, de ouf. Et le fait de pas avoir les PV justement ça t'incite à te dire tout le temps que c'est le dernier instant tu vois. Chaque fois, ça c'est dit, tous les MH et faut, à chaque fois faut être toujours très prudent même quand c'est sur la fin des monstres. Surtout à la fin. Surtout à la fin. Là il est un monstre dangereux. Il prend quand même des dégâts. Faire très attention. Il a l'air vexé. Oh putain.
Ouais. Oh Bobby, tu me fais des roulades, Bobby. Tu me fais rêver. Fais-moi rêver, ouais, Bobby. Je suis dedans. Tiens. Ah, merde. Je vais en rêver cette nuit de cette roulade. Mon perso est surpuissant, il prend 5 fois moins cher que le perso qui était moche de hier. Et puis mais peut-être aussi Mais j'en reviens pas quoi. Mais ce mec il est infini. Peut-être aussi que tu es meilleur et que tu as pris du skill, c'est pour ça que tu prends moins les coups. Oui. Ah, ça m'étonnerait ça, je l'ai vu jouer à d'autres jeux, y'a rien qui change. Hein. Ah, mon gars, franchement, regarde-moi sur un petit jeu indé Dark Soulsisant que je ne citerai pas. Ah oui. Tu verras que par rapport à MV, je me débrouille bien mieux. Je sais pas, je t'ai vu sur Sekiro, t'étais invisible. Tout le monde se débrouille. C'est un jeu qui blasphème et qui mousse. N'oublie pas déguisé. Allez, aiguise. Non, t'es en vert, c'est pas ouf. Ah merde, ah oui. Attention, calmons-nous, monsieur. Mal. Là, le Bambaro, il est en train de prendre une sacrée saucée, hein, mon ami Bob. J'ai vu. Mais j'ai pu lui mettre des grosses levels. Ah non, c'est bah toi. J'ai vu ça très bien passé. J'ai vu que tu utilisais ton épée avec grâce. Oh la gifle. De toute façon, j'en ai guisé. Oulala. Ça va, Xeléco, tu gères? Nous, il a toujours pas quitté la zone. Très mauvais moment pour le Bambaro, là. Ouh, le Bambaro, là, il est. Est-ce qu'on peut parler du grappin, s'il vous plaît? Bien sûr. D'ailleurs, je t'en prie, t'avais l'air chaud. Allez, avec Monster Hunter World Iceborne, nous avons une mécanique qui pose un piège. Nouvelle mécanique qui a été implémentée dans le jeu par rapport à Monster Hunter World, qui est la mécanique du grappin. Quand on maintient un deux dans la mesure, on peut grimper sur le mob. Et une fois qu'on est sur le mob, on peut sensibiliser les parties de son corps, ce qui va nous permettre de leur mettre plus de dégâts et de les casser plus facilement. Et donc de venir à bout de tout. D'une manière beaucoup plus facile. Est-ce que dans le endgame tu t'en sers beaucoup de ça? Absolument, c'est absolument nécessaire. Ah oui, vraiment, tu sens que c'est obligé justement pour choper? Absolument les trucs. Obligatoire, il y a notamment possibilité d'envoyer les monstres dans les murs. Ouais. Et de leur faire perdre un grand nombre de points de vie, ainsi que de les mettre KO en même temps. Ouais. Et donc ça va vraiment être très très utile sur le endgame pour faire des dégâts à nos amis les monstres. Même dès le début du jeu, c'est très très utile. Il y a aussi la particularité aussi de pouvoir attendrir pour faire plus de dégâts, et ça c'est quand même assez pratique. Avec ce que tu disais justement au niveau des dégâts, où tu as les petits picots là autour du nombre qui montrent. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup de monstres qui en fait se retrouvent généralement avec très peu de zones faibles. Du coup, tu as la possibilité d'attendrir un peu la peau de tous les monstres. Oui, il revient vers moi. Ici, ça boite. C'est bien plus rentable. Ça boite. Ouais. Je pense qu'on a les meilleurs viewers coéquipiers. Ouais, je pense. Merci à Wanted. Ah, comment? J'en reviens pas. Parce que c'est la course. Vous n'avez pas dit. Pas, mais comment? Non, je vous tranquille, on est là, on dit bon, voilà. Mais on a dit time attack ou pas là? Ouais, mais non, on a pas dit time attack, on a dit faire attention. C'est pas encore le time attack. Attends, je. Ah, calme ta compétition. Je joue en blind. Non, c'est bon. On est tranquille. Mon écran était devenu noir. Petite info pour la régie. Ah, je suis dessus. Et je bind off. Et je bind off. Ah, ça boite chez nous aussi. Oh, ça boite chez nous aussi. Est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on capture? Ah ça y est. Ah non, on n'a pas dit qu'on capturait, parce que si on capture, ça raccourcit de ouf. On tue. On est là pour tuer. Il faut tuer. J'aime bien tuer, moi. Comment ça tuer, ça va plus vite que de capturer? Non, c'est l'inverse. Non, l'inverse. Capturer, c'est plus rapide, justement. C'est triché. D'accord, parce que sinon, il m'aurait menti. Et j'en doute pas, si tu veux. Bob, c'est toi qui es en train de manger de la neige, là, je te vois. Je lui prends les pieds. Oh, dis donc. Oui, toi, bien. Oh, mais tu fais du super bad. De quoi? Il tombe, va sur la tête. Oh là, il y en a qui jouent technique là, il y en a qui jouent la gagne. Attends. Comment ça, mais n'importe quoi? Mais je me fais cancel. Ça va bien se passer. Et c'est fini. C'est fini. Oh GG. Bye. Merci. Oh GG. Ouais, mais c'était un Bambaro du plateau de corail, ça compte pas. Bon, Midu, je te fais confiance, tu commentes les autres là, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, on a ici Altaïr qui est sur la patte du Bambaro qui est en train de boiter. Oh, le finish. La foule est en délire. Ah, je peux pas hoster. Et allez vite, alors Xeléco il a beau être le meilleur joueur du monde, c'est pas possible, on a l'excuse du host, c'est bon. Il l'a tué alors qu'il était sur la patte en train de lui faire des petits coups de poignard pendant qu'il boitait. Tu as dévissé la rotule, GG, pardon. Ça va faire mal. Ah non, je loot pas, quel sac à merde. Mais oui, loot. Pokémon derrière. On a pété leur cheville. Oui, personne me dit rien. Ça, attends, je te l'ai déjà dit mille fois la dernière fois. C'est quoi, on va prendre le temps, on va visiter un peu la zone. C'est par l'instant en mode genre. Du coup, est-ce que vous avez utilisé des pièges dans les autres chasses? Ah, mais je pense que oui, ils ont triché, c'est sûr. Non, moi j'ai pas piégé. Hein. Non, pas de piège. Ouais, t'es sûr de ça? Mais j'ai fait que bourrer, moi. Bon, alors regardez pas trop mon écran, s'il vous plaît, parce que mon endurance est un peu basse pour des raisons de régie. Pour des raisons de régie, je le rappelle. Pourquoi t'as pas pris tes hot drinks et tes steaks?
Mais non, mais c'est en fait. Là, il y a du piment, il y a du piment. Là, ah, bah voilà, c'est ça. Ah, bah, voilà. Mon sauveur est... Et en plus, c'est bien parce que je suis pas du tout déconcentré, c'est ça qui est parfait. Attends, mais pourquoi je le prends pas? Qu'est-ce qui... Ah, si, c'est bon, voilà, tout va bien. Ça traîne quand même, c'est jamais qu'un petit Bambaros. C'est le mec qu'on a. Attends, mais genre. C'était son premier Bambaros. Mais du coup. C'est l'occasion idéale, pendant que Atto joue et essaie de pexer, que Mizu nous explique la mécanique de froid qui est nouvelle. Bien sûr. La mécanique de... Ah, bah, pour le coup, pour moi, c'est pas vraiment nouveau parce que ça existait déjà dans les anciens Monster Hunter, mais en gros, avec la nouvelle carte, donc, qui est une carte de montagne, hein, tout simplement, ouais. Il y a le froid qui diminue ta stamina. Oh, j'ai un joyau. J'ai eu un joyau de fou. Et pour résister au froid, il te faut des boissons chaudes ou... Bah, des hot drinks en anglais, hein, bien sûr. Alors, j'ai eu un joyau courage attaque 4, augmente les talents jamais vaincus et machine de guerre, c'est bien ou pas? C'est pas machine mal, de guerre, c'est bien. J'en ai eu aussi, hein. Tiens. C'est marrant. Comment ça ramène la quoi? Moi aussi, je l'ai eu. Hein. On m'a volé ma baguette pâte de chat. Bah oui, ah merde. Et voilà. Mais truc qu'ils ont pas changé, c'est que dans les anciens MH, on était obligé de prendre une boisson chaude quand il faisait nuit dans le désert, et là, ce n'est pas le cas. Parce que la map du désert existait déjà avant j'ai la fait map. Le gros boulet, de la... je suis désolé. Ouh là là, on sent la connaisseuse. Très est-ce que quelqu'un pose un. Oui, ben voilà, très moi bien. Aussi, j'ai commencé avec Freedom Unite à l'époque. Et ça moi, pose j'ai des barils pour essayer de finir. Sur PS2, un petit peu avant. Ah ouais. Mais s'il y avait du monde sur PS. Sur, on sent les connaisseurs. Sur PS2, pas des chasseurs. Dans le 1, à l'époque, en Europe, il y avait des gens qui jouaient à Monster Hunter. Je absolument pas, il n'y avait pas de online. Bah oui, voilà, on est d'accord. Sur la PS2, c'était toi. Moi, j'ai essayé d'y jouer offline, c'était chiant un peu. Ouais, quand t'es tout seul, quand tu commences, c'est... Franchement, ça va en fait, Ben. C'est juste que c'est pas le même jeu. C'est-à-dire que quand tu fais en multi, tu as vraiment une dimension un peu PL très présente, tu vois. Monster Hunter World, en solo, en vrai, j'aime bien. Hein. Je parle vraiment du premier, ah, oui, si on revient à l'infini. Ouais. Ça me donne des relents de Phantasy Star 1, tu vois. Ouais. Ouh, quel jeu incroyable. Après, je me dis, quand t'as jamais joué à Monster Hunter, le commencer tout seul, faut avoir la foi. Hein. Il faut aussi dire que MH World, c'est le meilleur pour commencer. GG, Atto, Xeleco qui tue leur Bambaro. Hein, ouais, mais on était tranquille. Oui. Mais on était en train de regarder, on étudiait en fait la bestiole. Vous avez utilisé un baril. Hein. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Monster Hunter et qui a commencé juste là. On écoute Ben. Qui a commencé juste là pour cette OPSP. Je commençais juste là pour cette OPSP, donc parce que j'avais jamais touché un Monster Hunter. Honnêtement, c'est prenable. Le seul truc qui fait peur un peu au début, c'est tous les termes bien établis par la licence, comme Pelico. Comment ils appellent les chats déjà, Et encore, avant, ils s'appelaient les félines. Voilà, ils t'en mettent plein la tronche, mais une fois que t'as compris que les mots qui sont longs comme ça, ça veut juste dire diplodocus nul et qu'il faut qu'il meure, c'est beaucoup plus facile à gérer et il faut oser y aller dedans en fait. Faut pas avoir peur par toutes les fonctionnalités. Oh là là. Faut juste prendre une arme, y aller, bourrer, mourir, c'est pas grave, tu recommences et tu vas comprendre tout au fur et à mesure. Donc honnêtement, c'est vraiment prenable. Alors je sais pas, Iceborne, au bout de combien de temps tu peux y jouer après avoir débloqué, après avoir joué à Monster Hunter World, c'est-à-dire si tu fais 30 heures, j'en sais rien. 30 heures, bon, c'est honnête. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est prenable. Honnêtement, c'est prenable pour un premier Monster Hunter, c'est prenable. Ça ou Dragon's Dogma, c'est un jeu Capcom, j'ai le droit. Non, c'est vrai que Iceborne et enfin Monster Hunter World en général est très très bien fait pour les débutants et c'est un très bon MH avec lequel commencer. Hein. Mais ça après c'est toute la partie aussi un peu stylée du jeu. On l'a pas montré dans ce gameplay parce qu'on s'est contenté de buter le monstre très vite et qu'on fera du time attack tout ça autre. Mais si jamais l'un d'entre vous arrive à endormir le monstre et que vous commencez à poser des barils autour, dites-le, c'est spectacle, ça j'adore. Ah, on l'a fait tout à l'heure justement, on aurait dû le dire. Bah on le refera. Ouais, bah t'inquiète. Technique du slip bombing, très très utilisé contre les dragons anciens aussi souvent. Bah surtout que ça fait des bonnes patates quoi, à chaque fois c'est très, très efficace. Bah, ça ressemble plus à une technique de Bibi et Coyote pour être sincère, mais ouais. Hein, ah bah, je me souviens avoir fait des fatalis blancs au slip bombing, c'était bien. Hein. On s'est bien amusé. La petite particularité là-dessus, c'est qu'en fait quand le monstre dort, le premier coup qu'il réveille, il fait dégâts x2. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on stack les bombes. Tout péter en même premier temps. Dégâts face un truc comme ils sont tous synchro, toutes les bombes sont dégâts x2. Sachant que les gros barils, on les craft. Et d'ailleurs, comment tu fais péter de la bombe? Tu tires dedans, juste avec l'arbalète à la avec con? Avec ta fonde, ouais. Un petit caillou suffit. Ou alors, tu peux kamikaze aussi si tu veux dessus. C'est rigolo. Ouais, tu mets un gros coup d'épée, ça marche bien. Et je tiens aussi à dire qu'on voit les chats. Donc, toutes les saloperies qui passent dans les chats, on les voit. Attention. On en a vu quelques-unes déjà. Attention, est-ce qu'on décrit les armes qu'on a pris? Oui, bien sûr. Ah, mais ça, c'est une très très bonne idée. Eh bien, bien sûr. Bah, vas-y, commence, je t'en prie. Allez. Eh bien, écoutez, moi je porte une paire de Dual Blade, donc épée double de
signature Rathalos Rathian, qui font donc du feu et du poison, puisque notre ami Bariot n'aime pas trop le feu. Voilà, et on va essayer de l'empoisonner également. C'est une arme très agile de type dague et avec des stratégies hit and run. À savoir, on tape, on se casse, on tape, on se casse. Voilà pour moi. Ça doit être dur à jouer ça, non C'est très fun, c'est très fun, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas forcément l'arme la plus facile à jouer, exactement. D'accord, ouais. Parce que j'imagine le côté justement te barrer, c'est que tu connais vraiment le pattern de l'adversaire à chaque fois, quoi. Exactement. Ouais. Savoir s'arrêter, pas être trop agressif. Ça marche. Mizu, tu joues quoi toi? Moi, comme t'es déjà au dual, je me suis prise une petite gun lance. Après, elle est pas rareté 9, donc. Seulement rareté 8. Mais c'est ma gun lance de Rathalos Azur qui fait du feu aussi. Qui se joue comment? Parce que c'est ça qui, aussi le truc. Qui se joue avec un gros bouclier et une lance qui, comme son nom l'indique, gun lance, ouais. qui balance des balles au bout de la lance et qui a notamment le coup le plus fort du jeu qui s'appelle le feu de Wyvern et qui est absolument génial. Alors, des balles. Quand les munitions font des bras de bébé, on parle plus de balles, tu vois, on parle de poutres. Là, c'est pas voilà, pas oui, déconner oui, aussi. Effectivement. C'est le lance des obus. C'est une arme un peu lourde, mais on m'a appris à la jouer un peu en aérial. Donc c'est plutôt. On a le concours. Hein. Ah, ça, de quoi, c'est pendant cette quête-là. Ouais, j'aurais dit à la fin, mais comme vous voulez. En tout cas, c'est à la fin de cette quête. En fait, pendant que nous, on bute non, le Diplodocus à la con, enfin le Smidolon, ce que tu veux, eux, ils voilà, ils concourent. De toute façon, vu que toi, tu fais pas trop de dégâts sur les mobs, tu peux t'occuper du jeu concours. Nous, on chasse tranquillement. Tu laisses Zeléco faire, il sait faire. Je ne veux plus parler à cet homme. Je ne te vois plus, tu n'existes plus. Si Zeléco fait les dégâts avec son katana de glace, on sera bien, ce sera impressionnant. C'est quoi, on parle plus, on les poutre. On a rien à voir avec toi. Seul. Voilà, attends, j'existe pas. Alors, je suis n'oubliez pas. J'ai pas mangé, putain. Pardon. Voilà. Nous, ils boitent déjà. Hein. La quête petite... est presque finie. Là, on est bien, on est chaud, là. Bien sûr. Oh, j'ai pas pris la poisson. C'est quoi, je suis désolé. Je suis le pire team. Mais tu sais quoi, je vais aller miner le temps que t'arrives, voilà. Mais t'en as déjà assez des boissons. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a la meilleure communauté, donc c'est nous qui avons les gens qui sont skillés, je le sais. Oh là là, le lèche-botte. Affreux ce qui vient de se passer. Le mec, il a laissé en raccourci des boissons fraîches. Ah, ça c'est dommage ça. On est quand c'est lui, hein, je suis pas fou. C'est ça. Ouais. Oh oui, alors, je vois qu'il y a déjà dans ton inventaire des steaks saignants et là tu vois la petite potion secrète juste oui. À côté. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment, oui. Et prends une steak à points, parfait. Ouais, ouais. Et une boisson chaude. Alors pour les gens qui sont pas à l'aise avec la formule du jeu, sachez aussi que donc effectivement on va pouvoir jouer sur notre jauge de santé et d'endurance. À la fois avec la cuisine en début de mission, mais aussi pendant la mission avec donc des steaks et de la potion secrète comme je viens de le prendre. Et là, il faut absolument que je trouve de quoi avoir. Babou, es-tu ? Je te prends ma babou. Putain, il est là ! On y va. Je trouve pas les lucioles. Attention au coup d'épaule, Bob. Attention au coup d'épaule. Je vois pas. Oh okay, là, ça joue pour le début. Alors le Barrio, c'est un peu vénère. Zeléco, tu peux nous en parler peut-être un petit peu parce que tu doses. Quoique, non, je vais pas te demander à toi parce que c'est bon. Tu vas pouvoir bien jouer. Je demande à Altair, tu vois. Ouais, Altair, du coup, alors le Barrio, comment ça se passe ? Ah, le Barrios, tu le flashes, tu le pièges, tu le tues. Voilà. Hein ? C'est vite. Pourquoi tu le flashes ? Non, alors pourquoi Barrios... Ce que tu me demandes, c'est des stratégies ou tu veux que je te parle du mob ? Les deux, tiens, vas-y. Les stratégies. Alors Barrios, c'est un mob qui a fait sa première apparition dans Monster Hunter 3 sur une plateforme qui était la Wii, qui était un excellent jeu. Et sauf qui les fait combats son sous l'eau. Grand retour. Non, c'était mais non, génial. C'était génial. Bien, oh là là. Les gars. Mais sortez là, mais c'est pas possible. On peut pas jouer avec des gens comme ça. Donc, qui fait son grand retour sur Monster Hunter World. Il a été beaucoup demandé. Et donc, il est présent dans cette extension. C'est un mob très agressif qui a donc pour élément le froid et qui craint le feu avec des grandes dents de sabre qui vont être caractéristiques et qui va nous produire des armes qui ont un fort taux de critique. Ainsi qu'une armure très agile avec pas mal d'esquives. Alors, et sans aucun pas mal de doute, mais il faut qu'il décide ce qu'il est. Si c'est un Smidolon à la con, si c'est un dragon ou si c'est un diplôme. Tais-toi et tape. Tais-toi et tape. Il faut qu'il choisisse, c'est pas ma faute. C'est parti, j'arrive. Ce qui serait bien, c'est de. Ah, mais il vole en plus. Oh non, il y a des geysers. Il fait tout, même. C'est vraiment c'est l'enfer au début. Quand tu le fais la première fois, là, quand t'es en solo, tu pleures un coup. J'ai un mauvais souvenir de VOD là-dessus. En tout cas, ce qui est important, c'est de détruire les dents. Oui. Les ailes et couper la queue. Voilà, ça c'est parti cassable. Est-ce que quand tu pètes une partie d'un mob, ça lui enlève un pattern ? Genre par exemple, tu casses les dents ? Ça dépend lesquels. Et on peut les monter dessus aussi. J'ai bien joué ça ! Il a musclé son jeu le Bob là. Cette caverne avec des geysers. En vrai, avec l'arme de Bob, c'est le truc. Mais c'est bien parce que comme ça, tu peux plus facilement y sauter dessus. C'est très compliqué, ah oui, ouais. Tu peux t'en servir, d'accord. Mais quand là, il ne bouge plus. Ah oui, il Bob, tu joues à la grosse épée, toi. Faudrait essayer de se mettre dans la zone. À la grosse épée, ouais, moi j'utilise les pelles à tarte. Ouais, j'avoue, ça. Sur ce mob là, tu vas douiller. Non, ça se passe bien. Il se débrouille très bien. Je l'ai en visu là, je le coach.
Apparaît. Coach par la pensée. C'est vrai que j'ai une garde avec l'appel à tarte. Tout à fait. Possible. Benzaï, cette tentative de spinning, c'était bien. Mais fais attention, ouais. il a un petit coup d'épaule sur le côté qui fait pas du bien. Allez. En plus, je suis bourré. Ouh, dommage, le flash n'est pas passé. Ah, il y a un Toby Kadachi Viper qui est là, il faut le cacater. Alors, petit conseil pour Bariot. Ah oui. Il faut lui casser les bras. Une fois que vous allez avoir cassé les bras, toutes ses attaques vont être différentes et il va commencer à trébucher et à tomber par terre. Et ce sera beaucoup plus facile de lui mettre des dégâts une fois qu'on aura cassé ses bras. J'ai trop. Très bonne info, ça. Oh, la capsule aveuglante, elle est passée. Les dégâts que ça fait. Mais les dégâts que ça fait. Alors là, bien sûr, à l'écran, vous avez sur la gauche. L'écran de Xeleco qui joue extrêmement bien et sur la droite qu'est-ce un écran qu'il ne faut pas regarder. Attention. Voilà, voilà, voilà. Il y a un pickle. Ah non, c'est non. Le truc qu'on a buté. Au secours. Attention. Pourquoi il y a deux Pokémon dans les dents, bordel. Ne t'en fais pas. C'est steak et une potion. On va lui lancer une petite bombe de bouse, comme on l'appelle communément. Killer You, je peux encore monter mes trucs. Non. Oh, il s'en va, il fuit. Oui, il fuit, prend la fuite. Il prend la fuite. Ouais. Il a eu peur de toi, Bob. Trouble dégâts. J'ai l'impression que tu lui as fait peur. Ses ailes là. Pareil encore une fois pour les gens qui connaissent pas trop la licence, faut savoir que les monstres crient dessus. Les monstres ont plusieurs comportements. Là il bouge plus. Là vas-y, ça se passe vas-y bien. Bourre-le là. C'est la revanche pour le duplex. Allez, allez, allez. Alors on va sortir. Oh. Où est ma monture? Voilà, il a pris la. Ah, je me fais bouffer par un monstre. Quelle horreur. Ah, tant mieux. En vrai, il est chaud, Xeleco, là. Alors, surtout qu'on passe d'un monstre qui était gros et assez lent à un monstre qui est plutôt large et plutôt agile. Je maîtrise la tige, j'arrive. Très agile, ouais. Oh, beaucoup de patterns de repositionnement derrière toi. Il est sur moi. Ouais. Ah, il passe derrière nous souvent. C'est il y a ça. Pas mal de nouveaux coups hein, par rapport à Monster Hunter 3. Je suis en train de maîtriser le jargon. Oh là là là. Oui, le pattern a été bien revu pour Monster Hunter World, tout à fait. Oh punaise. Est-ce qu'on peut dire combien de monstres il y a dans cette extension ou est-ce que tu sais, tu ne sais pas? Je sais, mais je suis pas sûr que tu fasses le dire. 57. D'accord, beaucoup 100. De monstres. La glace tombe. Putain, il y a des éléments de décor qui se barrent, au secours. Mais oui, mais c'est ça qui est trop stylé, Bob, c'est qu'en fait, tu peux vraiment utiliser le décor pour faire plein de trucs. Ça, c'est la partie qui a été le truc, c'est de nous tuer, en fait. L'animation est encore toujours aussi fou, c'est trop beau. Ah, les animations sont quand les deux se battent entre eux, c'est encore plus. Chez nous, il a plus de bras, du coup, on va pouvoir. Il fait des tornades. Oh là là, oh le pas les mal DPS. On va lui refaire les dents de devant là. On hop appelle là, le dentiste. Il est seul. Oh, j'arrive. Petit 320. Bon, nous il boite, hein. Non, je putain, c'est tellement bien. Ah, il est pas stun longtemps, hein. Ça bah, si, il est encore stun là. Chier. Ah ouais. Oui, il a, pourtant, il a réussi quoi, à se barrer. Oui, oui. Vous avez quoi tes pronostics ça va être dur. On est d'accord. On est très dur. Est tellement d'accord. Non mais la prochaine fois je prends un sectoglève. Hein. Un sectoglève c'est facile, tu vises tout court et c'est bon. Je vais essayer de réutiliser le grappin. Quoi. Ah, il s'est barré. Il se barre, ouais. Barrons-nous parce que le Toby Viper c'est attends, vraiment une salope. Je suis trop gros s'il veut pas bouger. Il est horrible le Toby. En plus il va pas dans les bonnes zones quoi. Là il y a peu de monstres qui passent par ici. Du coup il y aura pas trop de combat de territoire. Vite, reviens Benzaï. Le perso fait du diabète. Voilà, le chat vous savez, c'est locus externe. C'est la zone qui est mauvaise. Là de toute façon les conditions sont pas bonnes. La RNG non plus. Les excuses sont moches aussi. Mais non, les excuses sont pas. Je suis jamais content. Normalement, t'es un anti-bouffe. Je suis jamais content d'avoir pris la bouffe de défense quand même parce que ça pique. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Bob? Ton analyse stratégique sur ce Bob, s'il te plaît. C'est tellement dur. Très agile des pièges, utiliser le décor parce qu'apparemment il fait pas d'attaque tourbillolante. Donc, idéalement, se tenir derrière lui est une bonne solution aussi. Mais devant, non. Ça va mal. Il a une problème, attaque à moitié tourbillolante. À part derrière, ça peut oui, être mais il est toujours côté droit. Ouais. Enfin, il fait les. Mais le problème, c'est qu'il se retourne trop souvent et trop vite. Il est coincé dans le décor. Que je n'ai pas. Ouais, un peu l'arme, hein. J'ai fait un petit combo là. Oh là là, mais les gars, les viewers qui utilisent des pièges dans notre quête. Non, mais. En fait, je crois que c'est moi qui ai posé un piège sans faire exprès. Ah bon. Je cherchais l'antidote et en fait, il était pas ça en. Ça triche. Elle est où ma potion? Les pièges font partie de la chasse. Regardez le retour caméra, vous verrez. Un petit coup de stress. Encore heureux qu'on peut se servir des pièges. Oh oui, le mais non, dommage. Oh oui, il l'a envoyé dans le mur. Oh, des professionnels. On a affaire à des professionnels. Sachant que généralement, déjà pour en être là dans le jeu, il faut avoir déjà un petit peu joué. Ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on compte pour les gens qui jouent bien. Bariot, on est sur du mid-early game. Ouais, on est sur au début. Hein. Ouais, mais par rapport à Iceborne, tu vois, donc ça veut dire que t'as déjà. Ah oui. Peut-être passé moult heures sur le jeu de base. Bloqué. Oh là, ça va être chaud. Non, on va tellement jamais être premier sur cette chasse là, c'est tellement pas possible. Je crois que ça servait à rien, je crois que c'était pas important.
Non, non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je l'ai fait tomber. Oh, oui. Vas-y, va sur la tête, Benzaï. On sent un esprit copé. Ça va plus vite. Ça va plus vite de mettre la garde que de ranger l'épée puis de courir, si tu veux. Shoryuken, voilà. Oh, c'est compliqué. C'est bien ça. Ouch. Ça va, Shoryuken, c'est Capcom, t'as le droit. Mais c'est pas bien. Bon, il a une patte de cassé. Bon, nous, alors. C'est bien, c'est que là, il y a plein de petites pentes. On a un lancier chez nous avec une lance de paralysie. Oh oui. On l'a pas paralysé une seule fois. Qu'est-ce qu'il fait, notre lancier là, hein? Alors, peut-être que ces histoires. Ah, je suis mort. Oh, Bob. Je suis mort. J'étais au zéro de vital dans ses jambes et j'ai pas eu le temps de m'enfuir. Alors, ce monstre, tant pis. Il est affaibli, plus il va tomber tout seul. C'est fini chez nous. C'est pas vrai déjà? Oh, mais les gars, mais vous avez tellement bourré! Ah oui, c'est pris un stalagmite! Bob, mais ça veut dire que. Sache que tu n'es pas mort enfin. Je suis mort sur la dernière seconde. Tu n'es pas mort enfin, Bob, tu as été vengé. Vous avez vengé. Je suis juste à côté de la zone de spawn, j'aurai le temps peut-être. Ne t'inquiète pas, il t'attend. Non, j'aurai jamais le temps de. L'enfumer ce jeu. Nous, on n'est pas très loin aussi. Tant pis. Ah, mais ils l'ont capturé! Oh, les traîtres! Oh là là! On montre les fonctionnalités, on a dit qu'on faisait de capture, enfin! N'importe quoi! Disqualification! N'importe quoi, mais là c'est clair, ça compte même pas! Ouais, j'avoue, ça compte pas! Hein. Heureusement que j'ai regardé l'écran, ça me serait fait avoir! Quelle mauvaise foi, c'est incroyable! Ah, il est tombé! Alors, moi oh là je suis là. Content! Je suis content du coup d'être mort, parce que comme je suis mort, on ne peut pas m'associer à une capture! Désolé, c'est pas moi qui ai capturé, c'est un viewer qui était avec nous, comment voulez-vous que je fasse? J'allais pas te taper pour l'empêcher de capturer, on ne peut pas! Bob, l'avantage c'est que du coup t'as rien à looter en fait sur un Bob capturé. C'était peut-être un agent infiltré pour vous faire perdre. Ah, tu merci. C'est quelqu'un qui nous a aidé. Bon, du coup ça se joue encore entre nous. On te laisse commenter en tant qu'Altair. Avec grand plaisir. Xeleco qui a mis la cape complètement fumée. Oui, c'est ça. La cape temporelle qui est complètement fumée qui permet d'être absolument invincible. Ah, la cape enlevée. Et après on nous dit qu'on triche alors qu'on utilise des outils comme la cape temporelle. Mais quelle horreur. Mais arrêtez-les. C'est un scandale. Un véritable scandale. J'ai fait exprès de choisir une autre cape pour la cape ultra. J'ai pris la cape glace quoi. La mauvaise foi terrible. Incroyable. Oh, des pingouins, ils sont trop stylés. Alors attendez, jouez avec moi. C'est pas le moment d'aller sur les pingouins. Au niveau du gameplay d'Atonium, bon bah ça fait rien du tout. Non, le mec ne fait rien du tout. Il est en train de prendre son petit déj. Mais regarde le décor, il est beau le décor. Incroyable. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors on a, on a un mec qui est fatigué avec son marteau, d'accord, très bien. Et on a une gueule lancière très agile, qui est en train de ne rien faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais si, regarde. Il faut quand même le copain là. Oh là là, quelle catastrophe. Voilà. Oh là là, mais je me fais bouger. Mais non, mais c'est une illusion. Oh là, tiens. J'ai l'impression de le taper tellement fort avec mon katana de glace que je le soigne. C'est intéressant ce point de vue parce qu'on a Benzaï qui a une arme très plutôt agile qui est le marteau, où on peut se déplacer quand même correctement, et on a Mizu qui a une arme plutôt lente qui est la gun lance, donc on peut voir deux couches différentes de gameplay. On a également quelqu'un dans leur jeu, dans leur game, qui a l'insectoglaive, donc une arme très agile et aérienne. Donc on a une belle diversité d'armes qui est tellement bien. On peut voir aussi une chasse magnifiquement diversifiée. Ouais. Donc l'arbitre est tout sauf impartial. L'insectoglaive qui me paraît être une arme raisonnable face à ce Pokémon qui est extrêmement agile. Commentaire pertinent, incroyable. T'es presque aussi pertinent que le jeu d'Atonium. Calme-toi, fais attention à ce que tu dis. Oh mais les fions que cet homme envoie. Mais quoi, grave. Mais de aucune ouf. Limite. Tiens. Moi je dis plus jamais. Aucune limite. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien qu'il est pas là, méchant, Atonium. Mais j'ai un bon bouclier, bordel de merde. Il est pas là, enfin. Là, ça va bien se passer. Atonium, il. Ah, mais je me fais mongoliser par une putain de lance. C'est incroyable. Mais Chimira, elle m'empêche de jouer. C'est pas moi qui. Moi, je suis derrière. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Il est terrible cet homme, il est terrible. Fais-lui la cornemuse dans les oreilles, vas-y. J'ai l'impression que j'essaie de faire la cornemuse. Est-ce qu'en régie on peut baisser le retour des micros s'il vous plaît? Le chat, on est désolé pour cet écart bien sûr. Oh putain. Ça vient se passer. Allez. Bah vous croyez qu'ils m'ont mis une cornemuse à côté de moi pour que je la regarde? Non, je l'utilise bien évidemment. Donc, vous allez cette cornemuse peluche, c'est la jalousie. Hein. Ah, elle est fabuleuse. Ah, bah je l'emporte à la maison, c'est j'en sûr. J'en prends plein la gueule. Mais le dis à personne. Ne meurs pas. Oh, je suis KO. Au moment où il est mort. Oh là là. Benza qui s'effondre. Quelle horreur. Ah, mais là, il a fait un petit aller-retour. J'ai même pas eu le temps de prendre une potion de quoi que ce soit.
Bah, après, je tiens à dire qu'il y en a qui ont du stuff endgame. Hein. Ouh, il est vrai, ça sent le seum. Ça sent le seum. Ah, mais il y a trop de neige par ici, je suis gros. T'es, comment ça, t'es gros? Mais il se traîne de ouf, mon perso. Parce qu'il faut rengainer. Mais oui, rengaine ton arme. D'ailleurs, mon épée, elle vient pas de ce Pokémon-là en particulier? Elle vient pas de ce truc-là? Non, ton épée venait d'un autre Pokémon. Il venait d'un autre Pokémon. Qu'est-ce que c'est beau, n'empêche, putain. Allez, c'est le moment déguisé, Atto. Ah oui, ça c'est beau, contempler la map, ça c'est magnifique. Regardez comme elle est belle, cette map. Incroyable. Par contre, ouais, c'est vrai que ça, ça justifie dessus. Les 200 gigas de téléchargement. Non mais montrez pas mon écran pendant que je suis en train d'aiguiser. Yeah, j'arrive. Il ah ne non, rien. Le spinning. Il se fait power level par Zeleko, c'est incroyable. Avec Zeleko, c'est mon partenaire gamer vraiment de non, c'est pourquoi, hein. Je reviens. C'est qui spinner. Porte la culotte, là, hein. Là, dernier stream, tout le monde l'a vu. Ouh, joli Mizu. Merci, merci bien. Hop, je recharge. Désolé, j'ai le décalage, mais je t'ai vu la lettre, elle était très très belle. Ah merde. Ouh. Attention. Ah, Benza qui arrive un peu tard. Ouais, je lis quelque chose de très pertinent dans le chat. Je veux pas dire, mais même s'il l'avait pas capturé, la game serait finie déjà depuis longtemps pour Altair et Bob. Voilà. Mais tu as combien avec ton game, c'est ça. Mais j'ai pris des armes de rareté 1, je suis nu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Par contre, c'est la jalousie qui parle. Oui. À un moment, ils ont fait rentrer cette espèce de dragon, je sais pas comment on l'appelle, mais ce machin dans un mur et il a pris genre 2000 de dégâts. Ça fait ultra mal, les murs. Ouais, c'est vraiment très important. La nouvelle mécanique de la clutch claw est à utiliser et à abuser, je dirais même. Mais il ne tombe pas, ce mob, mais c'est incroyable. Après, il est quand même chargé en PV. Mais tu tapais à combien tout à l'heure? Ça soit les... Écoute, tu peux aller voir mes builds sur ma chaîne, pas de problème. Mais j'irai, mais je suis tu peux bloqué. Également t'abonner si tu veux des bons conseils, n'hésite absolument pas. Mais je le ferai, bien sûr, mais ça, seulement c'était plus gentil. Et honnêtement, moi j'ai, voilà, j'ai un bon stuff, enfin, je veux dire, une level 3. Maintenant, on va voir si Xeleko il va chercher la queue avant de tuer le mob. Ça, c'est une spécialité, on l'a vu. Une level 3 avec une épée chargée à la fond. Une level 3 avec une épée chargée à fond, ça faisait à peu près 300 de damage. Donc, c'est pas rien, si tu veux. Ouais. Je l'ai pas rien, en effet. Mais est-ce que c'était la level 3 ou la level 3? Il a failli m'arracher le bras. Oui. C'est quoi qui vient de m'embêter? On a le deuxième mort de la soirée. Aïe, quelle surprise. Atomium s'effondre. Quelle surprise. C'est l'erreur du joueur français qui se retrouve au sol. Oh là 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 là. Quelle horreur. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Désolé. Eh ben, on le tape quand même, hein. Mais chez Benzaï, ça se bat contre un T-Rex, c'est trop bien. Ouais, y'a un Jeanne à tonnerre qui est venu nous prêter main forte. Ou pas. Je te rejoins, Xeleko, j'arrive. Oui, bien sûr. T'inquiète, les loots sont prêts. Comme d'habitude, je te les ai mis sous le pain. J'ai aucune endurance, hein, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que t'as pris ta boisson chaude, Benzaï? J'en ai bu une au début. Oui, mais il faut en boire une à chaque fois que tu meurs. Ah. Et même au bout d'un moment, c'est quand même sur mon chat aussi. Bon, Bob, la cornemuse, ça donne des buffs. Ah, mais non, mais il faut jouer un petit peu là parce que. Il manque d'attaque là. Non, lui met pas ça dans la. Le pauvre, il est déjà mort. Par contre, il utilise un grappin de manière stylée. Explique-moi, Benzaï, comment tu fais? Il faut sauter avec L2 puis rond, tu vises un peu le truc. Et après, c'est genre. C'est vraiment vieux jeu de plateforme quoi. Bon, attends, je vais voir cette putain. Faut le faire à répétition. Tu manges un steak et tu bois la boisson chaude parce que là, t'as plus aucune stamina, c'est terrible. Précisons qu'on a tapé la queue et que du coup ça permet de choper des trucs aussi steak. Qui sont que sur la queue. Je suis en train de bouffer. Ah oui, d'accord. Notamment la queue. Bah ouais, enfin c'est plus si c'est pas les trucs genre la moelle ou les trucs comme ça que tu chopes là. Tout le fouet, et la meilleure méthode trucs, donc pour faire tomber, parce que j'imagine tu peux choper des écailles, des ailes ou même les défenses, là ça me paraît assez évident, mais la meilleure méthode c'est de l'endormir, de poser 3 bombes DMX, de faire terrorist win et de le faire péter quoi. Je montre les petits coups. Vas-y, fais-toi plaisir, t'inquiète, c'est le moment. Parce qu'on a quand même pas mal de petites choses pour les collectionneurs. Mais vu que t'as le temps, en plus, petit gypsy rose également. Là, regardez ces petites statues incroyables. Ça, je chope où ça, tu sais, toi? Au Japon. Alors, les blind bags, tu peux en trouver dans certaines boutiques en France. Ça sera un peu plus cher qu'au Japon, bien sûr, mais ça existe. Le Hard Looters, le retour. Petit Caméléos, hein, qui tire la langue. Ne déconcentre pas, putain, je suis en train de jouer. Mais de toute façon, tu ne fais rien dans cette game. Enfin, tu devrais jouer la corne, comme ça tu buffes les copains. Moi, tu sers à quelque chose. Allons-y. Oh là là, à chaque fois que je suis dessus. Désolé, t'es ma cible, t'es à côté de moi. On va le laisser à la prochaine fois. J'avais prévenu, si vous mettez des coups, c'est quoi cette ma cible?
Non, moi je reconnais que Xeneco pour l'instant survit et PL alors qu'il a toujours un katana de givre. Et de ça, glace, c'est un katana de givre, c'est confort. On n'est pas parti avec toutes nos forces. Hein. Mais même moi, hein, j'ai pas un truc adapté du tout. Alors pendant cette chasse, on a fait très bel objet. Il est blessé à la queue, c'est moi qui l'ai fait. Il va être fait gagner dans le chat, n'est-ce pas? C'est un mug pour boire de l'eau, bien évidemment. Surtout pas autre chose ça boit. À l'effigie de Monster Hunter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas stun, là, c'est de la belle qualité. Hein. Fou, Ça, je veux dire, c'est pas du goodies made in China. Ça, c'est du vrai goodies, du beau goodies. Soulève-le quand même. On met pas des choses que t'es pas sûr. On met pas des choses que t'es pas sûr. Attends, les regards. Made in Taiwan. Voilà, Taiwan, c'est pas la Chine. Donc voilà, on va faire gagner ça dans les chats respectifs. Le je pense que ça va partir. N'hésitez pas. Et on aura autre chose à gagner bientôt, très bientôt, pour la prochaine chasse. Une chasse, un cadeau. Voilà donc. Sur le chat, il a failli me défoncer. Ça m'est incroyable. Cette bombe. Ah, c'est le hoodie le premier lot. Bravo, bravo le fail, bravo. C'est le hoodie que Mizu porte. Non, mais c'était sur la première quête, le premier lot. Hein, on l'a déjà fait. Et ça se passe. Ah, pardon. Et ça se passe sur notre chat. Oui, voilà. C'est de belles Mizu. Ok. Pour envoyer Boutique dans le chat et vous pouvez peut-être gagner. Voilà. Le mug, ce sera bientôt. Le hoodie, ce sera. Si vous regardez le stream sur Benzaï ou sur Mizu, pendant qu'on perso fait n'importe quoi. Vous tapez Booty dans le chat, vous bourrez ça, que ce soit chez Mizu ou chez Benzaï, et on s'occupera après de vous contacter de façon random pour gagner un beau hoodie, celui que porte Mizu. Sachant que si vous êtes sub à la chaîne de Benzaï, vous avez un win rate de 20% supplémentaire. Exactement. Regardez, il y a de la fourrure dans la capuche. Ouais, ça, c'est trop stylé. Il y a de la fourrure dans la capuche, c'est beau. Ça c'est vrai. C'est du hoodie, du bel ouvrage, du bel ouvrage. Mais là du coup t'as un peu cassé le boulot d'Altair sur le mug. Le gamin qui va avoir le mug, il va être dégoûté si tu veux. Mais pourtant c'est chez nous que ça va être gagné le mug, donc bon. Tiens toi après. Il fait beaucoup trop mal. Reprendre la vie plutôt que d'essayer de. C'est un mug exceptionnel, une qualité irréprochable. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Irréprochable. J'ai le même à la maison. Il est disponible également en jaune de Damas. Reprends une poisson chaude. Ouais, je vois que là je prends trop de stamina. Pour vous donner un petit peu les. Le mec en plus, il fait mine de. Concernant les quêtes, on peut enchaîner là s'il vous plaît, parce que on se dépêche, on se dépêche. Ça va 5 minutes. Alors, pour donner un petit peu les infos quand même, je tiens à dire que Azou de la régie a quand même donné la petite astuce à Benzaï pour l'endurance. Et c'est bon, on a gagné, bordel. C'est bon. Eh. Mais je sais pas avec les... qui on aime. Moi je dis j'ai que c'est l'écho. J'ai que c'est l'écho. Bravo Xeléco qui a tout carré. Les deux ailes brisées, les deux dents pétées, la queue coupée, la belle chasse totale. Ce qu'on appelle un boulot. Là, le vrai chasseur. Mais professionnel. En même temps, si on le capture pas, il va dans son nid. Et dans son nid, c'est intéressant parce qu'il a des patterns exclusifs ici où il se colle aux parois. Et après, il saute sur les monstres. Ça y est. Mais on peut pas le voir quand on le capture. C'est vrai. C'est pas moi, c'est le viewer. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'étais en train de lui charcuter les dents et le type l'a capturé. Moi, je n'y peux rien. J'ai l'impression de tourmenter dans tous les sens et il ne meurt pas. Merci à Starthor et Liru qui nous ont aidé. Là, je viens de lui mettre un combo dans la tête. Ouais, j'ai vu. Tu as même le droit de dépecer à toi, tu sais, tu l'as mérité. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, merci. Le hoodie, hein. Non, mais c'est un mais t'as quoi? Tu te rends compte que tu me pèles au fond? Le hoodie, allez-y. C'est Booty, Booty dans votre chat pour le hoodie. Ouais, c'est Booty dans le chat. Tu peux donner nous de la force parce que là, il a tellement de PV, ce sale sous pression. Purée, à la blague. J'ai oublié de looter. Il a oublié de dépecer le monstre. Mais non. J'ai tout raté. Ah, ma ça arrive au meilleur. Mais oui, au meilleur, bien sûr. Pas grave, donne tes trucs à Xeléco, tu mérites pas. Courage Ben, tu le tiens là. Si seulement j'avais eu genre une méga gemme, ça aurait été tellement parfait. Mais en fait, il est infernal. Hein. Tout va bien. Si tu veux essayer de lui mettre des dégâts de chop, essaye plutôt au niveau de la queue. C'est l'endroit où il te vire le moins en fait. Ouais, effectivement. Non mais là, je m'aperçois qu'on t'a mis une arme qui n'est pas au niveau. Enfin, Benzaï, là, tu devrais faire beaucoup. Mais c'est le meilleur marteau que j'ai dans ce perso à la con. Aïe. Alors non seulement il est moche, mais en plus il est mal équipé. Une horreur. Mais c'est même alors pas le même perso. Ça m'étonne pas que ce soit un pote à Atto, tiens. C'est pas lui, détends-toi. Mais il avait le même marteau en soi. Non, il joue pas marteau. Ouais, mais il avait ce marteau-là. C'est avec ce marteau-là que je jouais avec mon pote. Je veux défendre mon pote devant tout, t'inquiète. Il boite. Non mais oh. Non mais j'avoue, Atto est un bon ami, hein. En vrai il défend. Hein. Pas tout le monde. Il défend les. Il défend les goûts douteux féminins de son ami, donc. Ça dépend des jours. Bon, il est passé où? Je follow les petites lucioles. Dragon Black qui dit que l'homme fait des ravages, mais non, elle est très bonne. Je me demande si on follow les petites lucioles ou si on l'attend. T'as vu, c'est chiant d'attendre après une quête. Ouais, je me dis, on attend que ça passe. Non mais ça va encore.
Non, ça va. Non, mais vous avez bien patience. En plus, vous pouvez regarder comment ils galèrent. C'est marrant, les mecs. Non, mais il fait dodo. Il fait dodo. Attendez, feu de Weaver. Ah, maintenant, je l'ai pas. Dommage. Vas-y, Benzaï. Vas-y, Benzaï. Le marteau dans la tête. Le baril. Mais non. Aïe. Oui, c'est pas mal. Casse-moi ses dents. Je me casse. J'ai vu ça, moi, c'est bon. Moi, je participe pas à des streams pareils. C'est inacceptable. J'ai pas le temps d'attendre. On m'a dit de taper avec le marteau. C'est bien, marteau, de toute façon, c'est la philosophie. Ouais, taper, c'est important. On ne réfléchit pas avec un marteau dans les mains. Ah là, en plus, vous êtes dans là, un endroit... Mais il faut observer ses nouveaux coups dans le nid, voilà. Il tombe. Et là, il est très dangereux. Bah, vous l'avez presque, là, c'est bon. Hein. Ah, mais il met des baffes. Attention, Benzou, là, fait des esquives un peu. Est-ce que tu sais que tu peux cibler, Ben? Oui, tu peux faire comme ça. Ouais, ça pourra peut-être t'aider. Oh le saut! Oh t'as vu ce. J'ai réussi à gratter un coup quand même. Ah merveilleux! Bah surtout quand tu fais ça, tu peux vraiment lui monter dessus ou et quoi? Et attends, faut que je boive mon Actimel. Oh là là! Allez, nice! Et c'est vrai que dans le stream d'avant, j'avais pas moi le grappin, il était pas débloqué. Bah non, parce que t'avais pas Iceborne. Ouais, ah, ça va. On sur World. Pourra dire fier. Ça à ton ami Atomium. On peut être fier à tôt. Il a encore la queue et les dents celui-là. De quoi ? Oui, c'est vrai. Non, mais je sais qu'on a bien joué avec Zeleko. Enfin, il a bien joué, oui, c'est vrai. C'est. Les viewers qui étaient avec nous aussi d'ailleurs. Oui, mais alors, moi, en vrai, ils ont bien aidé. Je tiens à dire, j'ai deux mecs au marteau dans la team, il a pas été une seule fois étourdi quand même. Hein. C'est vrai ? Donc les... Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles là. Ouh là 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 là. Ça envoie la meuf. Alors, il est peut-être pas étourdi, mais mets ta vie qu'en voyant le gameplay de Ben, il est circonspect. Tu vois, il doute. Il se dit qu'est-ce qui se passe ? Je le mange pas. Comment ça se passe ? Ah mais dans la queue, il a dit qu'il voulait attendrir la viande, Benzaï. En même temps, c'est ce qu'il fait, il va pas taper la tête. Ça se mange derrière. Pas. Quand tu fais le truc comme ça avec le marteau, ça déclenche quelque chose ou pas avec le grappin? Parce que tu sais, par exemple, la volte hache, tu as la hache longue à la fin. Donc ça te permet de faire dans un combo, tu peux le glisser, le fait de t'accrocher à quelqu'un, pour après passer en mode hache longue sans avoir à faire transition. Pour le marteau, ça sert aussi à ce genre de choses-là ou pas du tout? Alors le marteau, après une charge niveau 1 ou 2, on va pouvoir appuyer sur le grappin pour directement grappiner au monstre et faire une attaque inédite. Et après une charge level 3, on va faire une autre attaque inédite où le personnage va vraiment faire un spin sur lui-même et va mettre plein de dégâts d'impact pour éventuellement étourdir le monstre. L'attaque de Blanca, exactement. Quand tu dis inédite, c'est par rapport à Iceborne ou pas, par rapport à World? Ça n'était pas présent avant dans World puisqu'il n'y avait pas forcément d'accord, de grappin. C'était bien ça. Donc c'est une attaque qui aide énormément les marteliers. Charger. Les marteliers sont très contents dans Iceborne puisque la capacité à étourdir les monstres du marteau était grandement améliorée. D'accord. Donc on a un retour d'un marteau. Donc c'est une extension mais qui déconne zéro. Ça rajoute des endroits, ça rajoute des monstres, ça rajoute une arme, un fusil, ça rajoute des moussettes, ça rajoute des ultras, ça déconne zéro. On ne rigole pas. C'est un gros truc. C'est la version ultimate, on va dire, de Monster Hunter. Et des maps aussi. Bah c'est oui, c'est comme quand c'était le tri puis le tri ultimate. Quoi. Là, c'est World et Iceborne. Encensé par la critique d'ailleurs. Il faut que t'affûtes, Ben. Il faut que t'affûtes. T'as plus rien là. Et effectivement. Alors, Je fais ça dans un coin tranquille. Tu vas rebondir au bout d'un moment. Alors quand Bob arrive à coacher Benzaï, ça c'est lourd. Là, non mais moi ça m'intéresse, si tu veux, c'est ouf. D'ailleurs, j'ai juste une question. Tout à l'heure, Altair, j'ai bloqué avec l'épée lourde, comme tu m'as appris, et ça marche bien, ça tank à donf, ça stagger pas. Oh, Benzaï qui m'envoie dans les airs. Mais brillant rouge, ça veut dire un truc spécifique ou pas? Et oui, parce qu'en fait, tu as sur cette armure du bambarou. Ah, pardon. Tu as sur l'armure de bambarou une petite garde. Alors attention, parce qu'à 3 morts, je crois que tu reset la mission. Il faut pas faire 3 morts, les gars. Ah, ouais. C'est un truc pour les gens qui connaissent pas Monster Hunter, il faut le savoir ça. Tu peux pas mourir trop de fois, sinon tu reset. Bah là, c'est notre dernière chance. Ouais, mais on est entre amis, c'est aussi une condition de victoire, hein, tu vois, de perdre. Donc, c'est vrai. Est-ce que tu as ta petite boisson chaude, Benzaï? Parce que là, tu perds de l'endurance à une vitesse folle. Et puis récupère aussi peut-être une ration et potion secrète, ça pourrait t'aider. Voilà. Hop, petite boisson chaude et un petit potion secrète si tu en as. Ouais, ça permet de monter la vie en fait, comme quand tu as mangé. C'est un petit carré de couleur, voilà, celui-là. Et hop, t'es passé devant. Voilà. Belle. Tu le bois, tu le manges. D'ailleurs, la potion secrète, vaut mieux la prendre au début de la mission ou parce que t'as plus de vie? Non, quand t'es mort une fois. Ouais, quand t'es mort une fois ou quand t'as la bouffe qui est plus effet en fait. Ou alors quand le jeu te lâche directement sur le monstre au début et que t'as pas mangé aussi, quoi. Ouais. C'est dès que t'as pas ton repas dans les dents en fait, tu prends potion secrète pour monter ta vie. Sachant mais que tu peux la crafter. On peut manger parce que moi je prends ma pilule, je prends ma boisson chaude et j'y vais si tu veux. Mais tu peux manger, tu sais, avant la mission, tu vas dans la cuisine, ça sert à pour t'augmenter ton attaque et tout ça, mais tu augmentes la vie aussi grandement. C'est marrant, cette pente, elle ne fait jamais. Tel un fier guerrier, Benzaï a chargé son marteau, il s'apprête. Oh oui! Ouh, une belle. Oui, un beau tourbilol. Bon. Oh le tourbilol! Bon. Oh, c'est incroyable! Oh le tourbilol! Exceptionnel!
un petit flash là pour le mettre par terre, ce monstre. Ouais. Mettez-lui un petit flash dans la tête. Alors ça, on peut en parler aussi du coup. C'est là qu'il faut le flasher. Parce que moi, je le flashais au pif. Quand ils sont dans les airs, c'est mieux. Quand ils sont dans les airs, tu les fais tomber. C'est des objets pareil que tu peux choper. C'est le. Comment ça s'appelle? Pardon. C'est pas moi, c'est vrai. C'est le. Comment il s'appelle l'objet en français? Le Scaralux. Non, non, la capsule aveuglante. Oui, bien. La flash. Ouais. Qui est très bah, il y a plein d'objets comme ça. De contrôler non, mais mettez pas au pif. Oh là là. En fait, il n'y a pas que Benzaï qui commence le jeu dans notre team. Non, mais arrête, Mizou, mais j'en reviens pas, quoi, c'est violent. Oh, le trash talking. Même moi, je suis impressionné. Il balance une flash bombe alors que le monstre lui fait dos. Enfin, franchement, voilà, il est mort. Mais c'est qui l'a tué? C'est Bibi. GG, voilà, merci. Et après, il y a des hunters qui se la pètent. Après, à mal parler pareil, je sais pas si les gens ils veulent porter ton sweat là. Parce que les gens ont tapé boutique. Il y a tout le monde qui va quitte la salle dire. Le hoodie de la haine. Qui veut gagner le hoodie de la haine? Qui vous fera devenir un rageux sur Monster Hunter? N'hésitez pas, ou plutôt une rageuse. Allez, c'est maintenant. Ah, ça, c'est mon mood. C'est cadeau. Donc, ça, on est d'accord. C'est le mot, il fallait mettre quoi sur ton chat? Booty. Booty. C'est booty chez nous. Donc, sur votre chat à tous les deux. C'est le tirage au sort, le Lyokan d'ailleurs. Il y a plus de booty chez Mizu que chez moi, mais ça ne surprendra bien. Ajoute de la régie. Putain, mais c'est divin! Ah. Attendez, excusez-moi, là dans la grande salle. Attends, je suis en train de regarder le truc, du coup je suis pas en train de looter. Mais oui, c'est bien, oui. je te prends. Ah, où es-tu? Alors, c'est trop bien. Où es-tu? Et ceux qui sont, sub, vous pouvez même mettre l'emo de booty chez moi. Ah, Lockvart, bravo, tu viens de gagner un hoodie. Vous pouvez arrêter de spammer maintenant. on peut reprendre une conversation normale et parler du manque de dégâts de ce marteau dégueulasse. Kiyoshir 280, félicitations à toi sur mon chat, tu as gagné le hoodie, celui que je porte actuellement, comme ça il sera plein de sueur. Non, c'est celui qui est là, on gagne vraiment le tien. Et voilà, c'est qui le plus fort? Bien sûr. Mais attends, mais est-ce qu'on a vu ton écran au moins? C'est moi, bien sûr. Les gens, ils ont rien vu. Hein. Il nous faut un deuxième. Toutes mes excuses. Je crois qu'on t'a pas trop vu, Bob, et que du coup ça donnait un truc très étrange. Non, pas trop. Non. Je suis. Je suis désolé, j'ai fait un bras de fer, j'ai gagné, j'étais très content. Mais là maintenant je vais le perdre, donc c'est terrible, allons-y. Mais non. Où est-elle? Alors ça ne sert plus à rien de mettre booty dans mon chat parce que c'est Kiyoshir qui a gagné. Attends, moi j'ai une technique, attention, hein. Attention. Oh là là. Ah, tu fais la technique de la semi-paralysie du doigt. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un devant. Il est trop puissant. Non, mais attends, Bob, mais t'as un test, c'est pas possible. Il a une manette turbo, c'est pas possible. Attends, je me laisse faire comme ça, Bob, t'es où? Attends, je vais tester là, on veut plus. Ancien joueur professionnel de Drakenfield. Attends. Ah oui, voilà, c'est bon. T'as les doigts, ils sont parés. Bob, fais attention à ton petit cœur quand même, hein. Attention à les médicaments, hein. Oh mais comment il... Oh, mais tu entends le t'entends son ce bruit, quoi. Il est comme ça. Non mais... Bon, attends. Ça fait ta sixième victoire. Alors, je sais pas si je pourrais te rejoindre, Bob, parce qu'en même temps, ils sont tellement tous à jouer, t'es en train de les aligner les uns après les autres, c'est terrible. Oh non, mais moi, voilà, moi je m'arrête à 6, hein, on est bien. J'ai aussi des doigts. Non, mais je veux bien affronter Atto. Hein. Mais oui, moi mais je attends, veux. Laissez-finir. Puis, laissez-nous la place pour Atto, soyez sympas, les mecs. Ou alors on fait une mission et après on y revient. Vas-y. Ah, tu te rappelles du pseudo. On y est, regarde. Là, on est sur une démonstration de taille d'avant-bras, je vous raconte même pas. Bah, il y était. Ok, alors attends, c'est quoi la touche? C'est rond. Bourrine rond. Attends, ok. Je suis avec toi. Vas-y. Allez, Atto! Il faut absolument que tu le butes. Vas-y. Il peut pas tout gagner. Il a pas de choix. Après, il va nous.
Oh mais mec, mais putain, mec, mais t'as quoi dans tes mains? Le mec, il est augmenté, quoi. C'est impressionnant. Genre, tu sais, il a un truc avec un pilon, tu vois, qui tape ou quoi. Incroyable. Écoute, je... Le Lennon est doué avec ses extrémités. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais. Du coup, mission, c'est bon. Je dois dire que t'as un sacré coup de poignet, hein. Vraiment. Non, moi, j'aurais dit tous les mains. C'est pas tout ça bien. Chacun son truc. Bref. Ah là là, bref, tout va bien. Alors, donc on a fait le Barrios, tout va bien. Vous avez gagné l'Audis, tout va bien. Et là, si je ne dis pas de bêtises, nous avons un petit trailer à vous montrer qui va démarrer ah oui. dans absolument 3 secondes parce que tout le monde est prêt en régie. Attention, 3, 2, 1, trailer, ouh. C'est parti. Peggy 16. Un vent favorable, comme la bannière de la cinquième. La chance est de notre côté. Ah oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Bon travail, l'installation de la base prend forme. Qui sait quel secret cette terre nous réserve encore? Cependant, peu importe les dangers, nous les découvrirons. Oui. Aucune pitié. Oh, je ne peux pas partir. Il y a encore du travail à faire. Alors combattons en tant qu'élément de cet écosystème, en tant que chasseur du nouveau monde. Ouais. Regardez-moi un peu ça. Je compte sur toi. Il y a 40 ans, son expédition a échoué. Ils l'ont transmise à la génération suivante, en espérant qu'on y arriverait. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que quelqu'un a cru en nous. Et tu sais quoi? Nous réussirons. Tu es prêt? Tu es prêt ou pas? Tu es prêt? C'est bon? Oui, c'est ah, j'ai ah, un bah gros voilà, steak, on y arrive. Oh, regarde-moi ce steak exceptionnel. À point. So tasty. D'ailleurs, ceux qui connaissent. Voilà, c'est regrettable qu'il n'y ait plus le... Ce steak remplacera Benzaï.
Oui, voilà, exactement. C'est dommage parce que dans les anciens MH, pour faire tes steaks, t'avais une énorme broche. Soit t'avais la petite broche, oui, ou alors t'avais un énorme barbecue et tu devais faire avec la petite musique et tout. Bah maintenant c'est automatique dans le four. Avec voilà. Le petit jeu. Mais ça dommage. Y est toujours. J'ai mais fait ça, ça pas plus ouais. tard que la semaine dernière. Mesdames et oui, messieurs, si. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Bonsoir, oui. Rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue bonsoir. Dans la suite du live. Du coup, donc on continue. On est toujours sur Monster Hunter World, extension Iceborne. On est toujours tous ensemble. Alors Benzaï n'est pas là, mais il arrive dans quelques instants. Je pense qu'il est en train de pleurer parce que vous avez mis trop de temps à tuer le boss. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais il n'a pas étourdi une seule fois le monstre. Du coup, je l'ai engueulé pendant la pause ouais. et il l'a mal. Et ça s'est pas bien passé. Et voilà. Donc, du coup, ah oui, c'est vrai. Alors, je vous explique parce que là, vous allez me voir regarder partout. En fait, on a des spots rouges qui nous disent où est-ce qu'il faut que tu regardes. Je suis pas à l'aise, d'accord. Je suis pas très habitué. On y va petit à petit. À peu près aussi à l'aise que c'est... pendant la chasse, hein. Mais ouais, mais c'est ça. Et, putain, et mais encore. Il en met une couche. Que Altaïr, oui, bien sûr. Altaïr porte un short couleur chair. Voilà, il n'est pas à poil. Voilà. Je ne suis pas nu, hein. J'ai bel et bien un short. Voilà, regardez. Une idée. Hop là, voilà. Il est parfait. Une idée brillante. Ainsi qu'un t-shirt 15e anniversaire Monster Hunter. Oui, Bob. Est-ce qu'on peut switcher sur les caméras de gameplay parce qu'on est tous dans la source chaude, nouvelle fonctionnalité. Et alors attention. Monster Hunter. Quand même, histoire de montrer quelque chose d'émergent. Genre, tu vois, quelque chose d'incroyable dans la source chaude, on peut s'éclabousser avec triangle et ça, c'est fabuleux. Je sais pas si vous voyez mon écran ou pas. La braguette ouverte. C'est... Ah oui, t'as la braguette ouverte, bien joué. Magnifique. Amourante style. Nouvelle fonctionnalité Iceborne, la braguette de Altair. Et donc, autre chose que va nous montrer Téléco, c'est qu'on a, donc tu disais, un mode photo. C'est ça, il y a un mode photo qui apparaît avec Iceborne, qu'on appelait le photo Matou. D'ailleurs, il y a des petites quêtes associées. Le photo Matou. Ouais, c'est mignon. Matou, parce qu'il y a les petits chats. Les non, mais petits oh là là. Ils ont mis un système de quêtes affiliées d'ailleurs où on te demande de dire ça serait bien si t'arrivais à trouver tel animal et de me le prendre en d'accord. photo. Donc, pour ceux qui aiment bien se sentir paparazzi, donc oui, on a tout un système de zoom où par exemple vous êtes tous invités à venir dans la source chaude pour ceux qui sont là. Comme ça, on va prendre une belle pause. Et Monster puis, influenceur. Voilà. Faisons notre petit selfie dans la piscine. Bob, range tes mains, Bob. Des petites émotions. C'est toi qui me touches dans les bras. J'ai rangé. Ah, je sais pas si tu nous auras exactement parfait et comme il faut. Si c'était mes mains, tu les reconnaîtrais, elles vibrent. On l'a vu sur le bras de fer. Cet homme intuable. Ouais, il y a un palier. Alors, où êtes-vous tous beau, ah oui, j'avoue, la petite photo, elle est stylée avec ça, tout le monde et tout. Donc là, vous voyez tous les gens qui sont dans la salle avec nous. Hein. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a un système de clan, bien sûr, qui nous permet de nous rejoindre entre nous. On peut créer une salle de clan et donc se retrouver régulièrement avec les gens avec qui on joue, sachant qu'après, on pourra donner des cartes de clan, des cartes de guild pour se retrouver également de la même façon. J'ai pas tous les trucs en tête. Peut-être Zeleko saura mieux dire que moi pour les cartes, comment ça fonctionne. Alors, effectivement, maintenant, il y a un système de cartes de guild parce qu'actuellement, il y avait les clans. On pouvait inviter des personnes dans le clan, mais c'était un petit peu limité en nombre de personnages. Du coup, il y a la possibilité pour le chef de clan, et je crois également son adjoint, je suis pas sûr, ouais. de pouvoir donner une carte de guild avec les personnes à qui tu joues. Comme ouais. ça, quand tu crées une session de guild, bah, tous ceux de ta guild peuvent venir comme à l'habitude, mais également ceux qui sont possesseurs de cette carte. Ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir agencer un petit peu plus d'espace encore par rapport aux seulement des personnes qui étaient uniquement dans ton clan. Donc ça permet plus de choses. Histoire de se retrouver plus facilement. Alors justement, se retrouver, c'est ce qu'on va faire puisqu'on va aller faire le Nargacouga. Autre chasse un petit peu à la cool avant d'attaquer les arènes et le time attack véritable. Dernière phase peut-être de notre échauffement. Tu crois que je peux essayer de forger un marteau pété Oui, va à la forge, vas-y. Tu peux tenter, Ben. Même, alors tu sais ce qu'on va faire ? On va montrer ton écran. Ah, vas-y, voilà. Va à la forge. Et comme sors ça, de tu la vas grande pouvoir salle. Expliquer un petit peu Mizou la forge. Sors de la salle. Mais c'est où la sortie ? La porte là, la grande porte ici. Voilà. En fait, je me suis téléporté tout de suite dans la grande salle et moi je n'ai jamais vu en fait le décor d'Iceborne. Bah vas-y, va dans Selena. Bon, temps de chargement un peu long, je pense. C'est un super petit. C'est un super village igloo. Est-ce que pendant le temps de chargement, on peut passer switcher sur mon écran parce que je suis en train de montrer justement la grande salle avec la belle écran de caméra. Et là, c'est grandiose. On a ton écran. Ah, mais c'est parfait ça. Oui, regarde. Oh là là, la classe. Ici, avec bien sûr la grande spirale montante. Et en fait, on n'a jamais levé la tête, mais ici, c'est un Bjorn, c'est sublime, si tu veux. C'est trop beau. Hein. C'est le Nord, c'est fantastique. Hein. Ouais, c'est magnifique. Avec les affiches sur un bouclier et tout, c'est beau. Hein. Tout est grand sublime luxe. Dans cette extension. Grand luxe. Oh là là, mais même cette fontaine avec les espèces en fait, de wapiti singe hein. raton laveur. Hein, c'est beau. Puis un sauna, c'est incroyable. Tu fais des mélanges d'animaux chelous. C'est pas moi qui fais les mélanges, c'est Capcom. Regarde ce truc. J'ai une image quand tu l'as dit. J'aime pas comment prendre en photo, ça me... Bon, c'est vrai.
T'as un Wistiti tire à ton laveur. Vas-y, tout droit, à gauche. La force et à gauche. Et la bonne caisse. Regarde ce truc. Dans la maison. Retourne en arrière. Il a l'air de bien t'aimer, il a l'air de bien t'aimer. Ouh là là, oui, il a la voilà. Tu lui fais peur, tu lui fais peur, attention. Maintenant que tu le dis, c'est évident si tu veux. Oh la faute, ce bordel. Mais genre, ma nouvelle pépé quoi. Oh, elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. C'est les singes qui auraient une audite. Divine, divine. Alors c'est bon, t'as pu l'enjoint. Alors si jamais il y a des gens... Oh, il y a un sonar. Arme. Alors je m'adresse juste aux personnes qui sont donc avec le meilleur rank sur le jeu. Si vous voulez nous rejoindre, on a lancé la quête avec Zeleko, c'est le moment. Ah. Après pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés... Ça, c'est bien. On a des nouveaux là. Ou peut-être je l'ai équipé, parce qu'en fait là on est, je suis en fou, mais en fait on est armure là. Spéciale. Va, coffre, va au niveau d'un coffre. Mais il est là. Là. Voilà. On a l'armure bien évidemment. Spécial Iceborne. Les cosmétiques d'Altaïr, vous allez voir. Voilà, tu enlèves ça. Ah, c'est évidemment. Comme ça tu verras... Il y a également des choses un petit peu sympathiques. Avec des collaborations, en fait, avec des licences assez connues. Là, pour l'instant, tu portes okay. Des armures un peu badass pour avoir l'air d'un chevalier du Zodiac, de l'enfer, de la mort que tu peux mettre par-dessus. Mais également collaboration Capcom avec Dante. Alors attendez, les couleurs quel sont pas camp, ouf. Altaïr. Pardon. Comment? Le camp 1, 8, 11, 17. Oh, le camp 8. Le camp 8. Mais il est dégueulasse ce truc avec le cochon, là. C'est quoi cette merde? Les petites collabs Capcom. Oh, le casque cochon. Attends, le casque cochon, il est irréprochable. Avec le groin, quoi, c'est dégueulasse. C'est vraiment trop bien, t'es où? Est-ce qu'on est d'accord que la quête s'appelle le vent noir? Mais vas-y, je vais mettre ma tête de cochon. Ah, le gala est magnifique aussi, ouais. Ah, le gala est beau. Plongée. Moi, j'ai Wyverne du vent. Wyverne du vent, ouais. Collection printemps. Chaque événement, voilà, collection voilà, printemps, chaque événement qui a eu lieu sur Monster Hunter. Donc, tu peux voir le bouchy? Le enfin. Bouchy. Le oh, bouchy. Il est tellement bien. Le bouchy. Oh, on voit que c'est beau. Franchement, le putride, il est indécentement, il est bien. Et il y a une shop à gagner, effectivement. La shop. Ah, oui, effectivement. Alors, c'est ça. Vas-y, Bob. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, Bob? Durant toute la partie, là. Alors, il faut taper point d'exclamation quelque chose dans mon chat pour obtenir une shop incroyable après avoir obtenu et eu la chance de... Pendant la partie. Mais pendant la partie, pas tout de suite. Donc c'est point d'exclamation bouti, on est toujours Personne d'accord. Ça n'a plus rien à voir. Si tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, nous on avait choisi bouti avec Benzaï, mais toi tu choisis un mot que tu veux. Hein. Une shop qui est sacrément bien. J'ai le copier, hein. Dans ce cas-là, point d'exclamation Diplodocus, et voilà. Parfait. Ça, quoi. Point d'exclamation Diplodocus, c'est parti. Point d'exclamation Diplodocus. En minuscule, tout en minuscule. Sur vos point d'exclamation Diplodocus, tout en minuscule, sur le chat, soit d'Altaïr, soit de Bob Lennon, pour obtenir un mug exceptionnel d'une qualité Capcom irréprochable. Irréprochable. Vous disent toujours plus loin. Ah oui. Plus. Des goodies toujours plus profonds. J'ai une pièce Resident Evil 2, je m'en fous. Oh, tu peux faire le pile ou face des familles, quoi. Ouais, c'est est-ce qu'on a ah tout oui, bon en plus, c'est uniquement pour ça que je l'ai. Hein. Quel camp Benzaï. 8. Allez. Oui. Il rejoint ma quête. Ok, donc c'est bon, on peut lancer pour tout le monde, vous êtes prêts? Ah non, attends le nom. Non, du... attends. Ça va ma quête, mon petit Bob, oui. Il y a quelqu'un qui a ici. Constantin, c'est ta faute. Mange. Attends, j'expulse, t'inquiète, vas-y, rejoins. Comment oh, comment le non-respect. Mais tu rentres pas, madame, poussez, c'est inconscient. C'est quoi ces chaussures? Tu rentres pas, allez, rentre. Bien vas-y, que dégage. Mon binôme, il soit avec moi. Bah oui, attention, on est prêts, vous lancez, temps 3. Ah, j'ai pas mangé à la cantine. C'est pas grave, tu pourras manger au camp. Pourras manger au camp. Ah, quoi que non, parce que tu n'y es pas au camp. Oui, mais s'il rejoint, il peut voyager au camp. Bon, ok, ça marche. Allez, go, on lance, c'est parti. Oh, il a lancé avant Atto, il a triché. Non, oh, pas j'ai encore, vu. Regarde. C'est toi qui a lancé avant. La mission... J'en ai marre, ça triche dans tous les sens. De toute façon, vous n'avez aucun fair play. La mission étant partie, je rappelle, point d'exclamation Diplodocus afin d'obtenir un mug exceptionnel d'une qualité absolument pas représentée par ce verre nul aujourd'hui dans votre écran. Merci. Parfait. Merci, Bob. Il est mieux le verre qu'on a ici, oui, il est vrai. Ouais, on c'est est bon. À la jungle, ouais, c'est un d'ailleurs petite nouveauté sur le Switch. Voilà, sur là, tu peux aller à la cantine. Est-ce qu'on peut montrer l'écran d'Exeleco, s'il vous plaît? Ah, bah, ou les deux en ou fait. Ou les deux sur Altaïr, ça marche aussi. Ce sont les Miaostres. Les Miaostres qui vont permettre de se déplacer plus facilement pour traquer les monstres, les éco-packs. Et surtout en endgame, quand vous serez dans la map gigantesque, et bien de mieux pouvoir gérer les déplacements. Voilà, en sachant qu'on peut aiguiser en même temps. Désolé de t'en parler, Xeleco, mais il faut que tu expliques ce qu'est un éco-fact. Oui, c'est vrai. C'est un éco-fact, t'as tout à fait raison. L'éco-fact, en fait, ce sont les petites empreintes que tu peux trouver sur le monstre par il terre. Il est là, nous, regardez. Genre, qui indique qu'il vient de passer là il n'y a pas très longtemps ou qu'il a laissé son odeur, des griffures. Non, mais dis-le, c'est le pipi du monstre que tu gères pour voir sa piste et savoir où il est, c'est tout. C'est pas exactement. C'est littéralement ça. Et donc, tu n'as plus besoin de le faire toi-même. Maintenant, tu donnes le sale boulot à un petit mia-monstre qui va le faire pour le traquer toi-même.
Et pendant ce temps-là, bah, tu peux prendre tes potions. On le voit là. Tranquille. Sachant que ça sert aussi à faire monter ta connaissance sur le monstre pour après savoir où sont ses points faibles, quels sont les éléments que tu as à récupérer, où est-ce que tu les récupères. Et donc, je crois qu'il y a aussi les taux de drop également. Alors en fait, ça sert dans le bestiaire, puisque ouais, ça va te permettre de... Plus tu as de connaissances du monstre, tu peux savoir où sont ses points faibles, quel élément il est fragile. Il ressemble un peu au même monstre. La table des loups. C'est ça, ouais. C'est le même squelette en fait. Donc c'est là, le même squelette que le Varios, mais un peu plus dangereux. Attention à ses picots au niveau de sa queue qui empoise. Oui, il l'empoisonne. Il envoie en fait des dégâts. Les dégâts ont l'air d'être un peu plus présents sur ce marteau. Ah bah derrière. Oui. Ah, on a enfin un vrai marteau. Allez, on le tient. Puis là, je pense qu'on est avec des vrais chasseurs. Oh, des ça y est, mais comment ah, ceux d'avant, tu leur as mis la misère, quoi. C'est plus non, mais commu, ils devaient découvrir le jeu aussi. On leur en veut pas. Elle est terrible, elle est c'est terrible. Bien. Mais tant mieux, plus il y a de gens sur mon stand. Tiens, moi, plus je suis contente. Ouf, là, les dégâts sont très présents. Alors, voilà, ça se passe pas sur la tête, Benzou. Magnifique. Je peux pas balancer la tête. Chez nous, c'est tout à fait sur la tête. C'est vrai. Pourquoi on me dit que je. Qu'est-ce que je fais, madame? Mais c'est pas moi. C'est ça. Oh, j'ai esquivé, mais. Alors, c'est dommage que vous ayez pas vu ça. En vrai, le Nargacouga, c'est aussi un petit peu le monde du fanservice, disons-le quand même, parce qu'il était quand même très attendu, très apprécié très également. Attendu. Ah ouais, pourquoi? Bah, c'était un des monstres emblèmes dans Freedom Unite, c'était vraiment le tout nouveau. Ouais. Et on l'aime tous, le Nargacouga, il est trop stylé. Son armure et son arme aussi sont. Chaque épisode de Monster Hunter a un monstre dédié sur la couverture du jeu qui s'appelle un flagship monster. C'est ça. Et donc Nargacouga était le flagship monster. Comme les joueurs de foot sur les jeux de foot. Exactement, comme les joueurs de foot sur les jeux de foot. Telle comparaison. Et on voit bien le Nargacouga, c'est le Cristiano Ronaldo, si tu veux, le Monster Hunter. Voilà. Ah, d'accord, ok. Bah, attends, on l'aime. Ramenez-le près du truc, là, que je puisse lui mettre un drop qui cule. Un quoi, tu dis? Mais il s'est regarde là, paf. Il s'est mis tout seul dans le piège, donc vas-y. C'est le piège naturel, hein, je tiens à le dire. Il y a un caribou géant futur Diplodocus de la mort. Magnifique. C'était un piège naturel où nous n'avons pas utilisé de piège. Hein. Laisse-le tranquille, Bob. Ah, quoi, vous avez piégé? Quoi? C'était le piège sur la map, tu sais, quand oui. Voilà. Ben ça justement, c'est un des trucs qui est trop cool dans cette map-là, c'est que c'est le gros tuto du jeu. Faudrait l'amener. Dans lequel on va voir déjà plein de choses concernant la récolte, parce qu'on en a pas parlé, mais on va récupérer des minerais, on va récupérer des champignons, on va récupérer des plantes, on va récupérer des insectes. Attention à ses coups de queue, Benzaï. Et après derrière, il y a aussi plein d'éléments de. La toupie aussi, et ça fait pas du bien. Qui vont pouvoir nous aider, par exemple des trucs qui permettent de flasher quand il est en l'air. Et on a aussi donc des pièges naturels comme tu disais tout à l'heure. Il y a plein de trucs comme ça. Des lianes. Ouais, exactement. Ils font le taf de ouf. Et en parlant. Bon bah nous, il est bientôt mort, hein. Déjà ? Ah ! Je suis dessus ! Mais non, c'est pas possible. T'inquiète pas. Non, il y a encore le et caribou je de la mort, là. Dessus. Faites quelque chose ! Ceci, nous, il vient en aussi. Je pousse le caribou. T'en fais pas, Bob. Tout va bien se passer. Je suis stun. Je vous rejoins. Je m'en occupe. Il y a deux gagnants. Déjà ? Ah. Félicitations ! Ah bah non, le spam, on a les deux gagnants. C'est bon. Attends, les gagnants, on le donne à la fin du combat quand même. Il est tombé, vas-y Benzou, sur la tête. On à la fin de la quête. Il est tombé parce que j'ai tapé sur sa tête. Donc inutile de taper pour l'exclamation Diplodocus, ne le faites plus, hein. Meilleur moyen qu'il le fasse à nouveau. Puisque c'est fini. Ils peuvent, c'est bon pour le référencement, on s'en fout. Là. Allez. Oh oui, belle. Oh merde, non. Je suis désolé, Xeleko, si jamais je meurs, c'est pas ma faute. C'est la faute de mes mains. Non, c'est l'éclairage en fait, parce que la barre de vie est un peu cachée. La toupie est très mal. Hein. La double toupie quand il est en rage. Hein. Quand il est en rage, c'est facile, ses yeux sont luminescents. Si vous avez notre écran, ça serait parfait. Comme ça, on pourrait montrer que le monstre est fatigué. Ouh, il a bouffé ça. Ouh. Et donc, c'est le moment où on peut l'éclater proprement ou se faire éclater. Qui c'est qui a mis mon écran? Fallait mettre l'écran de Xeleko si jamais. J'ai toujours dit l'écran de Xeleko. Quand je dis notre écran, c'est celui de Xeleko à chaque fois. De toute façon, c'est lui qui joue pour deux depuis tout à l'heure. Donc. Attention, il va attaquer. Je suis proche de la mort. Allez, on court. Deux attaques. Est-ce qu'on aiguise ou est-ce qu'on court pour le speedrun? Oh, bien joué. Je sais pas si t'as c'est un stun. Tu vois, quoi, on a mis Bob. Ne t'en fais pas. Ah non, j'ai pas moi. Bon, je vais aiguiser là devant lui pendant qu'il me regarde. C'est pas grave, c'est serein. Tu ne respectes pas le stratomium. Ouais. Chier. Alors là, quand il est dessus, c'est que ça va mettre une patate. Il sait pas quoi faire. Je te couvre. C'est la panique. Muscle ton jeu, Baba, un petit peu, hein. Je muscle. Au pire, j'avais les bombes fumigènes, mais je pense pas que c'est utile si tu veux. Ah, il a crié, il nous a stoppé. Ouais, un petit fumigène, c'est toujours sympa. Allez. Oh, Mizu, t'es dessus, mon Dieu. Ouais, j'étais dessus, moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais là, on va l'avoir, Xeleko, on va l'avoir. Attends, là, il part. Là, ça sent la fin.
Je l'ai pas encore vu boiter par contre. Donc on ne capture pas hein. Mais il boite pas parce qu'il a toutes les jambes. Non, on capture pas. Attention hein. Fou, quoi. C'est pas la peine de crier hein, c'est bon hein. C'est bon. Le tourbillon, le tue, arrive. On le tue. Nous les mal, joli. Nous les très très mal ce Nariagouga, il a ouf. J'avoue qu'il sent pas bien. Je suis même pas sûr que sa grand-mère le reconnaisse à l'enterrement. Et pourtant mamie elle l'aime. Ah là il boite là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh, on est en train de lui laver les dents là. Il boite. Ouh là 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 là. Aïe. Attends, il a plus d'ailes, il a plus de pattes, il a plus de tête, il a plus de queue, il a plus rien. Ouh là 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 là. Faut s'occuper de la queue là. Oh la belle bête. Oh merde. Ok, j'essaye de m'occuper de la queue. Vas-y. Oh il boite. Oh il boite. Je l'ai vu boiter. Oh là là, je suis tellement dégâts pourtant. J'ai sauté. J'ai fait super mal. Franchement résistant la petite bestiole là, c'est... Ah mais le gérant que c'est résistant. Il est dans un piège. Ouais. Et encore là, les combats sont assez rapides par rapport à ce qui se passe en solo par exemple. Ça y est, la queue est coupée chez nous. GG. Tourbillon. Attention. Non. Oh là là. Et... Deuxième tour. Paralyque. Non, je laisse. Je vise le speedrun. On est en désavantage dans des grandes... La tête. On est en désavantage dans des grandes zones comme ça, il peut... Allez. Putain. Allez, réveille-toi. Il va pas aller bien loin. Je vais l'arrêter. Non, il voit. Ne t'en fais pas. Allez. Un. Voilà qui est fait. Deux. Alors là, on peut mettre le poison normalement dans cette zone-là. Exactement. Si quelqu'un peut montrer notre défense, c'est parfait. Ouais, ouais, là je fais comme si on peut avoir. Oh, c'est fini chez nous. Bien joué. Oh, c'est magnifique. Oh, GG. Oh, comme t'as carry, Bob. Incroyable. Fouh. Eh bah, si, regarde, j'en ai mis plein. Le poison. Et je lui ai vraiment fait des dégâts, j'étais vraiment content. DPC. Là. Merci. Je te vois très à l'aise avec cette grosse épée, Bob. Je suis fier de mon coaching. Là, vous avez géré. Ish. Bon, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je sais pas si on peut avoir l'écran de Xeleco ou du mien, que juste vous puissiez voir que les taches au sol en fait sont des taches de poison et c'est des trucs qui sont liés au décor où justement on a pu taper dans des sortes de fleurs. Oh, Constantin, il est mort. Constantin, non. Il y a que moi qui dois mourir. Ah, au secours. Vous n'avez rien vu. Alors, tes impressions sur ce marteau un petit peu plus martelesque. Vraiment, les dégâts sont quand même beaucoup plus présents. Au secours, on se fait attaquer par le caribou de ses morts. C'est quel côté ? Au secours. Alors pour ceux qui sont fans de Berserk, le monstre ressemble beaucoup à ce qui hante Guts dans Berserk quand il y réfléchit. Tu spoil ! Comment ça spoil de ouf ? Mais non, mais ça spoil rien du tout. C'est juste pour t'embêter. En fait, je spoil rien du tout. Non mais le manga a 30 ans, les mecs, calmez-vous. Mais en vrai, ça ressemble vachement, ça me fait beaucoup penser à ça. Oh oui, ah non. Évidemment, le monstre est extrêmement loin. J'ai cru que j'allais le prendre blessé, à la volée sur blessé. Un speed. Mais vous avez tellement géré, vous l'avez tué en 3 secondes encore quoi. T'as encore pris tes armes de ouf. On l'a vraiment, putain, vraiment ça bourré. De déconcentrer. Et il a été paralysé en piège vraiment plusieurs fois, ce qui fait qu'on a pu lui mettre des max level 3 avec nos grosses armes. Et forcément, paralysé en il a piège. Fini par... Paralysé avec quoi, j'ai pas entendu. Non, mais des pièges, tu sais, quand il est bloqué dans un trou, si tu veux. Il boit, enculé. Parce qu'on a eu la chance de se battre dans le coin du marais où il y a beaucoup de trous mouvants, si tu veux. Donc il est tombé dedans comme un débilus et puis il a tout bouffé. Oh là là, il a pris tellement cher là. Il s'est pris de mur. Joyeux du spartiate. On va dire que ça tape au bon endroit. Augmente le talent spartiate. Il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup, c'est Atomium. Hein. Non, là je suis concentré. Mais d'ailleurs, oui, on peut parler un peu des talents, tiens, vu que t'as du temps. Vas-y. Ah bah oui, j'ai tout le temps du monde. Allez, évidemment. Explique-moi. Le concept de base. Ça fait quoi, Spartiate ? Parce que j'ai un joyeux level 4 là, c'est 2 pour la stamina, rareté ça. 9. C'est pour l'endurance. Aïe. C'est ouf. On a bien fait de switcher sur ton écran, c'est magnifique. Continue d'expliquer les joyeux, s'il te plaît. Alors, Monster Hunter, le principe de base, c'est quand même de chasser des monstres pour pouvoir faire leurs armes et armures. Voilà. C'est bon ? Ils ont fini ? Oui, c'est très bien. Donc pour pouvoir faire leurs armes et armures et en fonction de la partie du monstre qu'on va blesser, on va avoir différents matériaux qui vont être disponibles. Et donc le but, c'est de chasser le plus de monstres possible pour collectionner les armures et les armes des monstres. Et donc de faire des armures de plus en plus puissantes qui vont avoir des talents qui vont nous aider pendant les chasses. Et c'est pour ça que tu dis bien sûr comme si t'en avais rien à foutre. Non. Non mais vraiment. Je dis bien sûr pour souligner le fait que c'est quelque chose bien sûr qui est très important. Moi j'ai le talent, justement les autres jouent à ma place, ça marche très bien. Oui. Les talents sont liés aux armures marteau, que tu craftes, hein. Mais sont aussi liés aux joyaux que tu récupères et que tu sertis dans les talents. Enfin, dans les armures. Tout à fait, Thierry. Et des fois, tu peux te retrouver avec 15 talents activés en même temps.
C'est pour ça que t'as une notion de build de vénère en fait. Un talent par exemple, t'as défense 1, 2, 3 et 4 qui augmente de plus 5, plus 10, plus 25 ou des conneries comme ça. Ce qui fait qu'il faut mettre genre avoir une armure avec talent défense 1 et mettre 3 joyaux défense 1 pour avoir le niveau 4 en défense. Exactement. Ça sert à rien d'accumuler les talents si t'as que niveau 1 dans tous les talents en fait. Il faut se spécialiser. Et c'est une grosse partie du jeu de faire du theory crafting pour essayer de créer des sets toujours plus puissants, toujours plus surtout, toujours plus adaptés à chaque type de monstre, puisque les monstres se chassent différemment. Donc il va falloir des talents différents, bien évidemment. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses dès le début ou au début d'abord t'avances et tu bourres pour avoir des armes? Ça vient beaucoup plus tard. Ça vient beaucoup plus tard. C'est vraiment plutôt dans le endgame quand tu commences à rencontrer des difficultés. Puisque comme ce sont pas des talents qui sont liés à ton personnage mais liés à ce que tu loot et tu craftes, vaut mieux tuer le plus de choses possible, avoir une table bien remplie devant toi et choisir ce que tu vas bouffer simplement. Après il y a au niveau des joyaux, je sais qu'on m'avait dit beaucoup qu'il fallait farmer dans World pour Iceborne. C'était pourquoi? C'était pour les joyaux justement d'attaque. Parce que les joyaux se réutilisent dans Iceborne, c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes justement, c'est pas des moins forts. Il y en a des nouveaux dans Iceborne, mais ceux que tu as eu dans, enfin tu t'es fait chier à avoir dans World, tu peux toujours les réutiliser dans Iceborne, D'accord, ok, ça marche. Ça dépend juste du slot en fait de l'armure parce que c'est des slots de 1 à 4 quoi. Donc si tu as un joyau qui prend un slot, il faut que tu le mettes forcément dans un slot 1 et tu peux pas le... Tu peux le mettre dans un slot 4 si tu veux, mais par contre un joyau 4, tu peux pas le mettre dans un slot 1. Alors du coup, il me semble que là, c'est le moment où il y a une histoire de shop à gagner. Parce que vous avez pas donné le nom des gagnants, si je ne pas bêtise. On en est bien là. Oui, tout à fait. Je suis le planning. Alors, Alors, est-ce qu'on peut avoir les noms des gagnants, s'il vous plaît, en régie? Encore une fois, j'aime bien dire en régie parce que je peux pas lire à la maison. Chez Bob, qui a gagné chez Bob? Qui a gagné? Je pourrais le dire à la maison, mais ça serait un peu ridicule, quoi. Ah, Supra Kirby. Ah bah c'est un habitué, donc félicitations Supra Kirby, tu as gagné un mug fantastique Monster Hunter. T'as failli ne pas le gagner là. Léché en direct par Altaïr. Altaïr. Ah c'est c'est spécial, c'est très spécial. Je prends de l'eau à ta place. Il a désormais la mononucléose. Oh, et bah oui, nous aussi c'est un habitué qui a gagné, c'est Bukawao. Bukawao, ce mug est pour toi mon ami. Magnifique, merci. J'ai failli casser la main, tout va bien. C'est cadeau. Ah, tu peux pas du coup? Je suis 8. Ah, et c'est 9, c'est ça? Et je crois que pour débloquer le 9, il faut que je fasse mon Dino Valdo avant. Si tu l'as pas, c'est qu'elle essaye de rejoindre. Bon, bah c'est... Je pense que c'est mort. Vous voyez ce que je disais quand on s'intègre à un Monster Hunter et qu'il faut oser passer la barrière des noms et des langages et des signes et des monstres. Faut se dire que tout est un diplodocus. J'ai une épée nulle, j'y vais, je suis en slip. Tu vois, faut oser y aller jusqu'à ce que tu récupères du stuff et t'apprendras. Faut pas prendre peur parce que là, elle parle d'un Dino Varios. Ça ressemble un peu à DMST. En fait, alors, le Brachidio, c'est le monstre qui a des moignons. Ouais, c'est vrai. C'est le monstre Evangelion. C'est pour ça qu'on l'avait choisi, parce que j'ai pensé à vous. Parce que je savais que ça vous parlerait, ces trucs-là. Mais en fait. Ça me parle absolument pas. Quoi? Mais non. Mais c'est quoi? Evangelion? Ah, mais quoi? Regarde, c'est trop bien. Mais qu'est-ce qui. Ah, d'accord. Bah, c'est pas grave. Non, mais attends. C'est un sortez-le tout de suite, s'il vous plaît. C'est une actrice? C'est quoi? Comment ça se passe? Ah là là là. Altaïr, tu nous charries, Altaïr. Okay. Moi la semaine dernière, j'ai jamais touché un Monster Hunter de ma vie. J'ai jamais vu, mais ça m'évoque quelque chose, mais j'ai jamais vu. C'est pourquoi Brachidios, il serait dans. Enfin, c'est quoi l'histoire? Non, parce qu'en fait, le Brachidios, si tu veux, c'est un peu le monstre hommage avec les couleurs de l'Eva 01, qui est un des mechas, si tu veux. Si tu connaissais Brachidios, tu sais qu'il se lèche les poings. Comment un mecha va pouvoir se lécher les poings? J'ai parlé de couleurs, moi. Mais bien sûr. Eva 01, tu parles du blanc, du violet ou du rouge? Le violet, celui de base. Et ce qui est intéressant d'ailleurs derrière, c'est que pour le Brachidios. Il me semble, alors je sais plus dans quel jeu, mais qu'ils ont fait une version Mecha Brachidios, quoi. Et je sais plus dans quel Monster Hunter. Il me semble que c'est le jeu mobile où il y avait un événement dans Explore. Alors là, attention, au Japon. Je pense que je vais me lever et sortir d'ici parce que ça sent le Whips à fond là. Ah oui, de ouf, Bon bref, du coup, pas Brachidios. Si on joue au Whips à tôt, là où Capcom a fait des OPS, enfin pas des OPSP, mais des fusions avec tout le monde, genre t'as le thème de Final Fantasy dans Monster Hunter World, t'as Geralt de Rive, ça veut plus rien dire. Ils ont pas fait d'OP, et ça je lance l'idée à Capcom, tu vois, je prends 5%, ils ont pas fait d'OP avec les Super Sentai. Ils ont fait d'OP. Hentai, ça je connais, Hentai, ça je connais. Si tu te bats contre le Mecha Giga Dinosaure de Power Rangers Vert, c'est métal ou pas? Moi j'ai 100%. Et après tu gagnes l'armure. Un burger géant qui vient attaquer la Terre, enfin. C'est vrai que les Megazords, ce serait stylé à chasser. C'est un bon crossover. En vrai, si ça vous dit, on fait mon Dino Valdo
Ah, comment comme ça, après, j'ai le brachidios qui se débloque. Mais comment elle gratte l'amitié, le c'est pas possible. PL original, celui-là. On finit bien sur le PC pour faire PL, ça se garde, mais c'est incroyable. Sans déconner. Non, sinon je le ferai pas. C'est incroyable, jamais vu ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tant que la régie est d'accord. Bah, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire, donc vaut mieux faire un Glavenus, parce que Glavenus, au moins, il est bah, oui, non, mais c'est pareil. Moi, j'ai dit Dinovaldo, mais c'est Glavenus, mais je déteste le nom. Donc. Moi, allez. J'aimerais pas qu'un radiologue me dise que j'ai un Glavenus. C'est pour ça que je l'appelle encore le Dinovaldo. Ça donnerait des cauchemars. Hein. Mais c'est vrai que Glavenus, ça sonne terminal, quand même. Hein. Ah, c'est ouais, chaud. Ouais. Vous avez un Glavenus. Un Glavenus aigu. Un Glavenus aigu. Ouais, c'est ça, vous avez un Glavenus aigu. Le vôtre, il est dans quelle map? Alors, où est-ce que t'as le désert? Ah, mais Glavenus, le mec, il a le désert. Donc, ouais, c'est 3. C'est 3. Où est-ce que t'as chopé ton Glavenus, toi? Alors, chope la quête. Chope le Glavenus, là, s'il te plaît. D'accord. C'était avec l'espèce de vilaine. Non, mais regarde, il y a non, mais c'est pas la mienne, celle-là, tu vois bien. L'âme fatale. Je buvais des petits coups avec ce mug Monster Hunter qui a été gagné sur le live. Et puis, d'un coup, je me suis retrouvé avec les mauvaises personnes au mauvais endroit. J'ai chopé un Glavenus. Je regarde la cinématique. Que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent dans cette vie. Je vois la scène avec le Toubib, hein. Le Toubib est là, vous avez un Glavenus, docteur, c'est grave. Non, on peut forger une épée avec, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Mais en vrai, c'est trop bien. Alors, ce qu'on va faire, attention au régie, s'il vous plaît. Ouais. Ah, je suis lancé là. Azou, tu déconnes zéro. On veut voir l'écran de Mizu du début jusqu'à la fin de la cinématique. Et au moment où il y a la cinématique, tu vas nous faire un effort incroyable. Tu vas nous couper le son de tout le monde et mettre le son du jeu à balle, si c'est possible, pour qu'on ait vraiment la ciné vénère. Oui, quelle belle idée, quelle riche idée. Voilà. Excellent. Alors ça toi, t'es mauvais dans le jeu. Du iceberg. Mais alors, putain. Non, mais... IRL t'envoie grave. Franchement, super. Ouais. Moi, je me rappelle quand même du premier message de Mizu quand elle est venue sur mon chat. Ah, mais t'en es là, mais t'es une grosse merde. Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Diplomate, très diplomate, en effet, c'est vrai. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Quand j'étais en train de finir Monster Hunter World. Puis t'as kické un viewer tout à l'heure, oui, aussi. Hein. Ah, tu vois que c'est vrai, en plus, tu comprends. On n'a pas oublié. Mais j'étais étonné que tu n'en sois que là, alors que Iceborne sortait deux jours après, je crois. Bah oui, d'où le fait de venir l'histoire. C'est, oui, tu faisais le Xenogiva, je m'en souviens très bien. Attention, cinématique, s'il vous plaît, cinématique. La régie, là, hop, hop, hop. Et le son à fond. Là. Ah ça y est, c'est bon. Vite. Oh, la gifle. Non mais là on veut les prendre, là, on veut les prendre du jeu. Il m'a mis cher là. Ah. Attends, voilà. Hop là. Go, vas-y Mizu là, tu nous fais rêver hein, s'il te plaît. Hein. Ça lance pas. Ça lance pas notre allez, côté. Allez Bob, je sais petit pas, pas sur le côté Bob, tu me fais ça bien, attends, tu me fais ça bien. On commence aussi Altaïr, on commence à buter là. Ouais, ouais, ouais. Attention, moi je rejoins là, c'est très dur. Et ben allons-y. Il est très difficile, vraiment. Alors, juste pour restituer un petit peu pour les gens qui connaissent pas trop Monster Hunter, en fait, ce que vous avez vu là, donc chez l'écran de Mizu, c'est parce qu'elle avait pas déjà fait le monstre. Et en fait, ce qui se passe dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois que vous allez découvrir un monstre, vous allez avoir ce genre de cinématique. Et dans Iceborne, ils ont mis tellement le chargement de la quête. Elles sont ouf, vraiment, elles sont oufissimes à chaque fois. Enfin, un gros effort de mise en scène. Et le principe, bah, c'est vraiment, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de découvrir d'abord en solo et après de le faire en groupe. Alors, c'est vrai que bon, moi en live, je fais la quête et mes 100 ans à charger. Bonne chance. Oui, c'est normal. Donc là c'est bon, on est tous ok. Bon nous il nous manque quelqu'un dans l'équipe. Ah, j'arrive Mizu. Oui viens m'aider s'il te plaît. Petit handicap. Ouais, juste putain je regardais ton écran, je sais pas où c'est. Pourquoi je bouge là-bas? Je comprends rien. je suis dans une tente. Ouh. J'ai pas quoi. Ouh. Ah. Écrit. Tu
tu n'avais pas les voix du jeu peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu étais en langage Monster Hunter, je ne sais pas. Non, je suis en langage de type japonais, très weebs. D'accord. Et... très weebs. Alors si oui, c'est vrai qu'il y a un peu toutes les langues dans le jeu. Hein. Mais sache que moi, depuis le début de l'OP, j'ai pas le son de mon jeu. Hein. D'accord. Alors, on lui a pas fragilisé la nuque là ? Si, tout à fait. Et ce petit monstre, comme tu peux le voir, il a une épée collée sur la queue. Hein, donc tu feras attention. Oui, je vois ça, ouais. Ce coup de queue là, il te fera pas que du bien. Voilà. Ouais, j'ai vu, j'en ai déjà gardé un. Et le stuff de ce monstre, il est indécent. Imagine que tu es bien aversé dans les lois du coup de queue. Ah, je voyage juste quand on se arrive, Izzy. Je sais comment se protéger. Protégez-vous, les enfants. C'est beau quand même. Franchement, le jeu, je trouve tellement beau. Allez, let's go. Ouais, je vous le dis, il est pour vous ce jeu, Ben. Hein. Ouais, non, il est super beau, hein, vraiment. Moi qui suis un gros kick. Attention, la garde. Elle est belle, elle est belle. Le son dans les oreilles, Mizu, est-ce que tu le ressens? Au niveau de l'animation, c'est un espoir. Ah, ma console. Il a mis un mini coup de pied dedans. Ouh, j'ai roulé, mais j'ai bouffé. Tu manges, Bob, tu manges, muscle ton jeu. Enfin. Je brûle surtout, je brûle. Non, je crois pas trop. Là, celui-là, il met le feu, clairement. Moi, je peux jouer sans son, il n'y a pas de soucis. Tant qu'on l'entend dans le live. J'aurais peut-être pas dû boire une boisson chaude, c'était peut-être une très grosse idée à la con. C'était l'autre. Ouais, aucun problème, c'est un petit chocolat. D'ailleurs, ouais, il boit son ça tient, ça tient. Wouh. Attends, je suis monté en haut, l'action ultime, je vais sauter. Et le Lennon plonge. Ouh là 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 là. Il est monstrueux. Bob est monstrueux. J'arrive. Et le monstre tombe par terre sous un déluge de coups. Oh là 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 là. On peut voir à l'écran, c'est l'arme des bourrins. Hein. C'est l'arme pour casser des bouches, hein, comme on dit. Oh, qu'est-ce qu'il est dans beau, le métier. Bordel. Je me rends compte que j'entends une musique, mais qui est peut-être pas à moi. Ah, putain, ça touche. Si, c'est sûrement. Faut aller dans le trou avec lui. Oui, vas-y. Ouais, tu vas attention, dedans. Attention. Et attention au Diablos, du coup, parce que normalement, vous aurez un Diablos. Ouais, dans le désert, il y a le Diablos. Ouais. Ouh, il nous a pris contre le mur. Ouh, le cochon. Ah merde, mon épée a rebondi contre son armure. Ah, c'est possible, oui, ça. Bien sûr. Ouais. Ton épée était moussée. Mais il faut utiliser, fuck. Oh, c'est bon, ouais, on est dedans. Magnifique. Un bon chasseur entretient son fusil. Ou son épée, le cas échéant. Mais pour le coup, c'est une pelle à tarte, mais oui. Ou sa pelle à tarte, ça marche aussi. Oh, tu peux... Oh, la belle esquive. Oh, la roulade. La boule de feu fait mal, hein. Oui, ça fait plutôt. Il fait mal. Ouh, on lui a cassé la tête. Faut pas boire une boisson. Ouh, il bave. Ouh, il est fatigué. Non, pas ici. Eh oui. Si, dans le désert, si. J'utilise un set qui fatigue les monstres très très vite. Que j'ai confectionné en live l'autre soir. Et qui marche très très bien. D'accord. Oui, parce que ça aussi, c'est un truc que tu peux faire avec les gemmes, justement. C'est que tu peux taper dans l'endurance rapidement. Bah, idéalement, Altaïr ainsi que les gens qui sont avec nous, si on arrivait à lui couper la queue, ce serait quand même full prestige. Ah, ouais, très bien. Très bien. J'avoue. Avec grand plaisir. Parce qu'on a déjà gagné un time attack, j'ai gagné le concours de bras de fer. C'est à vrai. Un moment. J'ai gagné le mug aussi, tu as gagné le hoodie, enfin, on a tout gagné quoi. Alors là, si quelqu'un peut montrer notre écran, c'est parfait. On montre le gameplay. Oh là là. C'est pas être con à ce point-là. Alors on va essayer de sensibiliser cette queue afin de pouvoir la couper. On va monter sur le monstre, je vais m'en occuper. Ah oui, bah en fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On intervient comment là-dedans? Hop, bah, allez, la queue est scarifiée. Monte dessus. C'est parti, mon kiki. Alors là. Avec ton petit grappin. Ah bah, il s'en va, de toute façon. Merde! Non, ça ne sert à rien, le monstre nous tourne. Ah non, c'est pas monté sur le banc, zut! Il m'a embarqué! Hyper loin parce qu'il s'en allait! Alors, faute et un truc qu'on a oublié de rappeler, et du coup, moi qui suis noob, j'ai oublié, c'est de refill ses potions et tout le bazar à chaque fois. Ah bah dans oui! Oui, bien sûr! Et oui, bien sûr, bah oui, effectivement! Ah, au secours, il y a un autre truc qui vient! C'est si évident! Mais oh, une guerre de territoire chez nous! On a un petit Gladys qui se bat avec un Gladys, regardez, c'est incroyable! Oh là 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 là! Ouh là là, il y a même une chauve-souris géante. Où 4000. Oh, les dommages qu'il lui a mis. Oh, par contre il a pas volé, t'as vu ça? Hop, clac, il est mort. Enfin, il est tombé. Très très mal. Et du coup, il y en a qui va s'en aller. Il a perdu sa guerre de territoire. Et le Tigrex, ce vainqueur, va crier. Probablement, regardez. Oh oui. Il assume sa domination. Est-ce qu'ils peuvent le faire plusieurs fois, la guerre de territoire, genre se mettre plusieurs au bout d'un moment, notre Clévanus MST s'en va. La queue entre les jambes, pour le coup, c'est la bonne expression. Il va loin. Capsule sonore sert à rien. Ce qu'il nous en faut, vrai, c'est une c'est capsule à chaque fois que la régie met notre écran...
Attends, allez, ah oui, c'est vrai. On a un truc à vous faire gagner. Ah, j'allais oublier. Nous avons un... Ah oui, alors en plus avec Steelbook, le jeu. Ah bah le mec il peut carrément même montrer pendant le. Le jeu. Plus... Alors est-ce que c'est le jeu plus l'extension? Du coup, j'ai plus la potion, donc ça va être très. Il me semble, hein, dans ce. Tu peux toujours retourner au camp et récupérer des potions, hein, Benzaï. Ah. Donc chacun a un jeu à faire gagner, donc il y a un mot à taper sur le chat. C'est toi qui choisis, Xeleco, je t'en prie. Quel est le mot que tu préfères? Fumigène! Oh là là! Non, pas fumigène! Steelbook! Édition Steelbook, magnifique! T'as dit quoi, katana? Katana. Eh bah, katana, c'est parfait! Donc, point d'exclamation katana sur les deux chats, et puis bah, vous aurez. Oh là là, la marque, il laisse sur chaque jack trop beau, quoi. Une chance de gagner le jeu. Katana! Aïe! Alors, je suis désolé. Ouh, il a pris! Ah, moi aussi! C'est des quoi, je te le dis, le combat va être long. C'est pas grave. Ça va être long ici. Merde, c'est moi qui vise! Ato expert minerai. Mineur professionnel. Non mais c'était, je temporise le temps que le monstre il se réveille. Ah mais attends, c'est bien ça. Attends mais il y a trois monstres chez nous là, c'est compliqué là. Allez, on essaie de focus cette queue. Alors là tu vas faire tomber. Oh là là. Il y a un petit je l'ai fait trébucher. GG. Ah. Alors, ok, apparemment sur le chat sur mon chat de la chaîne, les gens postent le petit message pour gagner, mais c'est pas sur ma chaîne qu'il faut aller. Bien sûr. Ça marche pour gagner plus, ça, hein. le jeu, pour gagner le game, c'est chez Xeleco ou chez Ato, les gars. Donc switchez le chat et tapez le chez eux. C'est Capcom qui a décidé que nous, on avait des objets voilà, nuls. Voilà, on a des mugs pourris. Voilà, donc on est des influenceurs pourris, apparemment. Hein, ah, bon. Wow, voilà. Donc voilà, si vous voulez gagner des belles choses, c'est pas chez nous. Hein. Nous bon ben je repars au camp, hein, désolé. Par contre, si vous voulez de la qualité de gameplay, là, à la rigueur. En tout cas, faut pas aller chez Ato pour la qualité de gameplay, ça c'est sûr. Oh là là, ça parle ça mal. Dépend des conditions. Et si vous voulez du sel, vous allez chez Mizu. C'est ça, chez moi c'est le sel et la rage. Attendez. Ouch. Ah, GG. Ah non. Attention, il est endormi. Non. Non. Mais non, mais en fait, c'est pour montrer le gameplay. Si vous voulez voir mon écran, voilà, vous allez voir comment on peut dormir dans le jeu. Il est contre le mur. Il est plus contre le mur. Je montrerai la feature, bien sûr. Le Plévanus est acculé. Dites donc, contre le mur. C'est gardé. Oh là là. Je sais pas où il est, le score par rapport à moi. Tu me fais rêver avec ta gueule. Ça a failli mal se passer, ces histoires. Bah oui, mais en même temps, j'ai pris zéro dégâts. Allez, c'est aussi, parti, hein. C'est parti, la queue, c'est parti. Elle est sensibilisée. L'une des queues les plus dures à tuer, à couper d'ailleurs, de tout le jeu. Ah oui, pour le moment. Vraiment, vraiment très difficile et très dur. Eh ben, ce serait un exploit si on y arrivait, tant pis si on n'est pas premier, mais au moins on aura le matos de la queue pour... Mais non, mais c'est impossible. Pour crafter toujours plus. Et je suis un idiot ou je trouve pas le camp à côté? Il se casse. Tu peux téléporter dessus. Tu peux téléporter dessus. Mais non, il m'empêche de me téléporter. Il faut que tu ailles dans une autre zone où le monstre ne t'a pas vu. Ou ta petite autour de ta map, c'est une part rouge. Mais là, c'est bon, tu peux TP. Il y en a un juste à côté. Non, tu l'as... Oui, c'est bon, vas-y. Parce que, en fait, autour de ta map, comme le monstre s'en va, autour de la map, ce n'est plus rouge. En fait, tant que le monstre t'a en aggro, tu peux pas te téléporter. Il est mûr pour le mur. Ah, d'accord. Il est mûr pour le mur. Et oh, oui. Joli. Et voilà. La queue. Ok, la queue est attendrie de notre côté. Ah, mais c'est chaud. Hein. Moi, déjà, je sais pas mourir parce que j'ai pas pris la potion secrète. Donc, je suis en grande douleur de santé. La PLS de Atomir. Ah ouais, là, c'est très, très dur. Là, le combat, il est vraiment bon. Je vois bien se passer. Oh là. Petit plongeon Superman, c'est passé. Allez. Vas-y, je sens que tu prends du skill, Bob. Je sens que tu prends du skill. Il est où le coffre sur je l'ai raté. Sur ce camp. Dans la tente. Ah, dans la tente. Ouh. Ouais, dans la tente. Et là, il y a ton coffre. Elle veut pas tomber, hein. J'avoue qu'elle veut pas tomber. Hein. Pas facile quand même. Hein. Qu'en penses-tu, mon cher Xeleco? On lui met avec ce qu'il faut. Avec le katana, c'est plutôt facile dans le sens où tu as des mouvements qui te permettent de déplacer à gauche et à droite. Ouais. On est que le Glavenus a des gros coups qui tapent vraiment. J'ai une bière, je peux revenir. Si tu esquives sur le côté, oula, ça passe globalement bien. On a toujours les attaques à 360 pour mal. Ouais. Ah, je trouve que les coups de queue sont redoutables et puis après c'est le fait d'avoir quasiment pas de vie quoi qui me. Mais ouais, mais il a un gros wind up sur les coups de queue, tu peux les voir assez à l'avance. Oui, tout à fait. Mais après, il faut savoir qu'à Voltoage, tu vois, quand t'es en mode H, ça met du temps. Oui, bah moi avec l'épée double, oui, c'est dans le même la grosse épée aussi, à deux mains si tu veux. Oh. Ouais, dans le même cas. Raté, oh, putain. La paralysie, le crapaud de paralysie, c'est beau. C'est oh, beau, joli, c'est beau. joli. C'est le moment d'y aller sur la queue. Moi, il m'a paralysé aussi. Oh, mais il arrête pas de changer de zone, nous. On est sur il fait quoi marcher, ça. Clavelis nomade. Oh, il dort le nôtre. Ouh là là, il prend les temps pour la queue. Il est enragé là.
Aïe, 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 aïe. Oh, ça utilise des techniques tiens, ici. Un hein. élément, un élément de gameplay bien fait parce que je me suis fait mettre feu, mais je suis tombé dans la flotte et bien sûr, je suis éteint. Ah, bien évidemment. Oh là, ça y est, la queue est tombée. Côté. Et la queue est tombée. Enfin, joli. Elle s'est plantée dans le sol, regardez-moi ça. Bon, c'est stylé, j'avoue. Elle est ici. Ah, j'avoue. Il lui en reste un petit bout, hein. Il lui en reste un petit bout. Oh, il boite, il boite. Oh, l'animal boite. Oh, Cortex Glavanus. Glavinus, Glavinus. Oui, t'es pas obligé de goûter une queue sur la queue. Hein. Attention, ça, c'est... Bon mais j'ai goûté un cortex, c'est comme un T-Rex en fait, il avait un cerveau à l'arrière. Tout va bien. C'est possible. C'est cohérent. Nous, je crois qu'il va pas bien. Bah, je crois que Benzaï est perdu aussi. Un Glavinus. Oui, j'ai plus de luciole. Masculin, donc il avait le cerveau dans la queue. Épingle le monstre sur ta carte. Hop là, je vais le laisser le transporter, c'est confort. Tu l'épingles avec. Ah, mais je vais faire attaquer par une autruche. On va mettre un petit coup de tranchant sur l'arme. Hop là. Oh non, je passe en dessous, dommage. Bling. Allez, 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 allez. Et on va le finir. Ah, oh, j'arrive pas à l'avoir. Allez. Hop là. Bien joué, ouais. Ça fait des dégâts, ça va. Non, mais il y a une autruche qui me poursuit. Oh, mais... Oh, il est spéfuite, regarde. Incroyable, incroyable. Ouais, j'avoue, hein. Oh, je suis dessus. Oh, je suis monté. Pas sur la queue. Ouais. Si on arrive à lui mettre une gifle, là, il hurle. Est-ce qu'on va réussir à couper la queue de notre il côté rage, là. Ça serait beau. Je sais pas si on l'aura. Il est pas en rage encore, non. Mais il va pas tarder à tomber puisque je suis en train de le matraquer de coups de couteau dans le crâne. Je sais pas si notre équipe sait qu'on essaye de... Attention. Ah, en plus, vous êtes là, je vois exactement. Non, profitez pour les anciens chasseurs qui ne connaîtraient pas la nouvelle option d'Iceborne qui permet d'avoir un outline sur son player qui fait que même quand on est caché par un monstre ou par un décor, on voit quand même à travers... C'est absolument très pratique. Et on n'est pas obligé d'activer aussi, c'est une info importante. C'est pareil pour les interfaces, on met ce qu'on veut. Ce qui est plutôt bien foutu, c'est très personnalisable. Après, si tu veux jouer en mode full immersion, c'est vénère aussi. Mais est-ce qu'avec le saut sur le grappin, je peux lui couper la queue ou pas? Oh putain. Je sais pas, j'ai jamais réussi. Aucune idée. Genre, tu sais, tu fais le saut et sur le tranchant vertical. Mais non, mais... Eh, c'est terminé. Aïe, 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 aïe. Oh, GG. Fouh. J'ai enfin réussi à retrouver mon groupe. Et on a quand même réussi à voir les oreilles et la queue, hein, et t'as ça c'est beau. Tu as vu cette ça, mort ridicule? J'ai pas vu. Elle était incroyable cette mort. Est-ce que tu peux nous la détailler? Je me suis fait genre, mais le mec, tu sais, il a fait le retourne acrobatique là, et le bout du talon, tu vois, c'est... Ah oh là là. Vraiment, mais instant quoi. Ah, t'es mort à nouveau? Mais oui, mais je sais pas ce qui se passe. Mais c'est incroyable, enfin, je peux pas le retaper. Mais je crois que l'écran a du lag, hein. Ah oui. On aurait dû faire un tableau avec qui est mort combien de fois. Non, non, ça aurait été ridicule, ça valait pas le coup de le faire. Ah, j'ai récupéré la queue, l'âme, Glavinus, ainsi que des tas d'objets. Mais j'ai eu que des objets variés et divers, en fait. J'ai jamais eu un doublon, donc c'est nickel, ça. C'est l'occasion idéale pour faire des armes ou des trucs comme ça. Donc c'est divin, si tu veux. Bah, en général, il faut plusieurs, donc c'est bien d'avoir des doublons. Ça boite chez nous, hein. Ça boite, allez. Il y a une espèce de petit homme noix de coco. Oh. Oh là. En régie, c'est la régie qui fait des petites blagues. Oh là là, la régie qui n'en peut plus. La chose de papa. Il y a une boîte à gagner aussi. Tiens, dans sa gueule, dans sa gueule, dans sa gueule. Oh le merde. Il est tombé. Je lui ai mis ça dans les oreilles, je m'excuse. Allez, tout sur la queue, tout sur la queue. Il est tombé. Allez, il est tombé. Un. Ne mettez pas la caméra maintenant, on s'en va. Go. Quatre. Tiens. Excellente chasse, Bob. Hein. Non, Bob, franchement, là, tu prends du... Il retombe. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Il y a un moment où je me suis pris une de ces boules de feu, tu sais, qui crache, il en crache de la suite, puis après, il fait un coup de queue. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression qu'à boule de feu, elle apparaît en fait. J'ai l'impression que ça explose, mais tu sais, il a pas pris de projectile. Deux full combo rond. Comment ça, hein? Il pose des boules par terre, une boule de feu, je l'ai jamais vu. Ah, c'est ça qu'il a fait? Ouais, ouais, tout à fait. Oh oui. Là, alors non, c'est pas voilà, je quand reviens, c'est fini. Certaines de ces attaques c'est ça, c'est ne sont ça. Pas on avait besoin de toi. De feu, j'en ai bloqué une, mais la deuxième, j'ai bouffé si tu veux. J'étais, mais elle était où? J'ai jamais vu. Lui, il était crevé, donc il a pas pu la lancer. Yes. Ça, c'est ça. Tout va bien, tout va bien. Bon, tout ça quand même pour dire qu'on était en train de PL le compte hein, de Mizu, parce qu'elle n'avait toujours pas terminé. Non, il n'y a que Benzaï qui m'appelle mon compte, donc, là, pour le toit. Non, vous c'est vraiment pas avec scandaleux, dans la c'est scandaleux ce qui s'est passé, scandaleux. Et je chope un croc lourd, voilà. Bon, nous, on en a pour un petit moment, je pense. Hein, Quelqu'un a mis un hypercute, saloperie. C'est pas gentil. Je tiens à dire que l'écran de Xeleco est très agréable à regarder, parce qu'il a une maîtrise du katana qui est très fluide et très agréable. D'ailleurs, c'est fini de leur côté aussi. Bon, on n'a pas réussi à voir la queue, donc bien joué à vous, les gars. Avec plaisir. Bien joué avec Xeleco. Ouais, hein, on n'a pas eu la queue non plus. C'est grâce à Bob. Je l'ai vu avec sa grosse épée.
Il faisait des dégâts insane. Surtout moi qui ai fait la suggestion, on aurait pu en finir un quart d'heure avant. Je pense que Bob joue aussi bien que Atto, mais lui il meurt pas par contre. Oh le sale. Ah si, il est mort. Il est mort un moment. Mais je suis déconcentré par tous ces effets de lumière incroyables qu'il y a sur le plateau. C'est pour ça que je ne peux rien faire. Je tiens à dire que paradoxalement, dans le jeu, le lag m'aide un peu. Parce qu'en fait, le temps que le monstre wind son attaque et commence à armer son bras d'attaque, moi je réagis peut-être une demi-seconde après à cause de la carte de capture, tout le merdier et tout, vu que j'enregistre ma PS4 sur un PC forcément. Et du coup, ça décale mes roulades à la perfection. Du coup, les roulades que je fais, elles sont just frame et la frame d'invisibilité, elle est impeccable. Alors que sinon, je ferais comme n'importe qui, je prendrais peur, je ferais un Superman jump trop tôt. Je mourrais ma tête dans mon caca et je me ferais molester par le monstre derrière, si tu veux. Donc faut avoir des nerfs d'acier dans ce jeu. Faut pas froncer. Hein. Faut pas froncer les sourcils. Hein. Il vient de casser mon excuse du lag de l'écran, du coup. Voilà, ouais, du coup. Bob, tu m'as pas rendu service là, c'est pas cool. Hein. C'était pas cool. Il y a 16 millisecondes. Écoute, t'as perdu au bras de fer, je te dois rien. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu as raison, tu as bien raison. Bon, toujours est-il qu'on a quand même des jeux à vous faire gagner. Donc avec jeu plus extension, ouais, ça un par coup, personne, est-ce qu'on a les gagnants, s'il vous plaît? Je lèche la jaquette comme pour le verre ou pas? Non, s'il te plaît, non. Okay, allô la régie. Non, le CD, lâche le Blu-ray, lâche le Blu-ray. Ah. On m'a dit les noms apparaissent à l'écran. Nausicaa et Baba le Grand. Nous avons Nausicaa chez Atomium et Baba le Grand chez Xeleco. Félicitations à vous deux qui ont gagné un jeu de Monster Hunter. Bravo à vous. Vous serez contactés, bien évidemment. Ray le Blu-ray. Mais non, attends. En plus, c'est un jeu Steelbook et tout, alors fais attention. Avec quoi on enchaîne les arènes donc? Attends, Braki ou pas Braki? Attends, je demande l'avis de la régie d'abord. Non, c'était pas le Braki. Non, ça c'était la régie. Le Dino Valdo. Alors, on nous a dit que ça allait être en deux Moi c'est bon, hein, je suis niveau 9, je peux faire un Braki. Regarde comment elle est motivée de ouf en fait, visuellement. Ah oui, ah oui. Je joue jusqu'à 6h du matin si vous voulez. Hein. C'est terrible. Alors, Ben pense à aller manger. Oui. Avoir une réponse. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, écoutez, dans ce cas-là, on va faire une petite pause de rien du tout, le temps de se préparer pour les arènes, et donc on va préparer les arènes et vous retrouver dans une minute. Attention, à tout de suite, c'est parti. Peggy 16.
Et rebonsoir. On est un peu pris sur le fait, je l'avoue, parce qu'on était en train de gérer ça, pour les arènes et tout ça. Là, Altaïr est en train de cacher le fait qu'il n'a plus de shorts sous la cornemuse. Il est vrai. Coucou, tu veux voir ma cornemuse? On attend Mezu qui arrive aussi, mais donc on va enchaîner avec des arènes cette fois-ci, comme on vous le disait. Alors cette fois-ci, il y a un vrai enjeu par contre, attention. Ah, non, on va terminer par ça, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que nous avons donc un lot terrible qui est juste là. Énorme, comme je le disais tout à l'heure. Non, c'est bon, c'était scotché, t'inquiète, ça passait. Donc c'est-à-dire en fait, là, on est là. Donc la collector du jeu Monster Hunter World, de base, avec l'artbook qui est dedans, mais aussi la figurine du Nergigante, qui est le monstre... qui est juste iconique. Là, c'est la figurine là-haut, je sais pas si on la voit. Plus un extrait de bande-son de ce que je vois. Et donc, au-delà de ça, faut prévenir quand on change de caméra comme ça, vous avez aussi donc le steelbook du jeu, donc version Monster Hunter World plus Iceborne. Donc en fait, il y a deux fois le jeu, c'est-à-dire que même prêter un pote, c'est stylé en vrai. Mais ouais, t'as deux fois le jeu. J'avoue. Donc un énorme lot à gagner, et là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va faire un vrai time attack, cette fois-ci, qui va compter pour de vrai entre nous, sur une arène qu'on n'a pas encore décidée. D'où le fait parce que c'était pour du beurre, Dixit, le mec qui s'est fait défoncer dans le mode d'entraînement de Mario Party. Alors Bob, tu connais l'esprit Shonen, tu sais ce gars qui se fait toujours éclater tout le long, mais qui à la fin sort le méga truc vénère, tu vois, et qui fait que lors de la compète, quand ça compte, c'est lui qui gagne, tu vois. On en est là. Alors. Oui, oui, mais généralement, c'est parce que l'écrivain est biaisé envers ce gars. Là, là, c'est mort, là, à tous. On va voir, on va voir. C'est quand qu'on fait un street, d'ailleurs, Bob? Ça fait longtemps. Ah oui, ouais, oui, c'est vrai. Quand c'est tu vrai, veux. C'est vrai. Bref, donc, du coup, je disais que oui, donc voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le duo gagnant, eh bien, pourra faire gagner donc, ce lot-là à un des deux chats. Et vu qu'on aime bien le sel, en fait, le dernier gagnant, vu qu'il y aura deux chats, sera tiré à pile ou face. Et donc, c'est là qu'on va voir si neige ou sel, tu vois, pour Iceborne. Donc, voilà. En gros, on va essayer de. Et c'est moi qui fais le pile ou face parce que j'ai une grosse pièce, vu que j'ai des grosses lunettes, et on pourra bien voir. Je mettrai la webcam, je toucherai à rien. Je fais les pile ou face les plus intransigeants et les plus. Comment ça s'appelle non biaisés de l'univers. On veut voir la pièce, Bob, d'ailleurs, hein, s'il n'y a pas de pile ou de face. Hein, pièce Resident Evil 2, regarde, avec un côté Raccoon City, c'est Capcom, j'ai le droit, et de en l'autre plus, côté, Capcom, ouais. Léon et Lisu dessus, il y a tout le respect. Tout le respect. Très bien. D'ailleurs, merci pour le DVD Hard Corner qui traîne au fond de ton plan, c'est j'apprécie oui, tout énormément. Tout à fait. DVD Hard Corner, regarde, sponsorisé en plus, Capcom, c'est écrit. Hein, tu vois, par contre, ça, faut pas trop s'en vanter. Bien évidemment, une illustration qui n'est inspirée de rien, complètement bien sûr, libre de droit. N'hésitez pas à acheter les Funko Pop Bob Lennon qui sont absolument pas disponibles puisque ça a été fait pour moi. Bref, donc on va pouvoir attaquer ça tranquillement et aller dans cette arène. Alors, est-ce qu'on fait une. Non, on va pas faire une remettre, une rang expert. Soyons simples et montrons des trucs cool. Atomium a saboté ma manette. Juste avant de passer dans l'arène. J'ai juste enlevé la batterie. Est-ce qu'on peut montrer mon écran, enfin mon écran de jeu? On va le montrer. Parce que, un, je suis à côté d'un mec qui s'appelle Aledi Nash et qui a un costume qui me fait vraiment penser à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire OPSP Power Ranger. Regarde-moi cette armure. Ça, c'est l'Uragan. Irréprochable. Ouais. Ah, bah, c'est Bibendum. Hein. Et surtout, j'ai la meilleure arme du jeu que j'ai découvert avec ce Monster Hunter 3. Dans ce jeu, tu peux jouer avec une cornemuse. Et ça, c'est juste absolument débile. Elle j'adore. Fait quel bruit ta corne? C'est. T'es voir? Ah bah l'hymne national écossais, tu l'aimes mais calmons-nous, voilà, on a tous des oreilles si tu veux. Mais voilà, ça sature à donf et c'est pour ça. Donc je suis dégoûté, il y avait cette arme, je l'ai prise mais on va partir en arène et donc on va prendre un set. Mais si quelqu'un peut bien montrer la cornemuse, bah, c'est marrant. Ça c'est pex. Il y a pas de PS4 à gagner je le rappelle. Attends. Ah d'accord. Ah ok. Les gars ils sont déjà en train de se battre. Et voilà, donc... C'est pas grave, c'est pas grave. Le temps là, c'est le temps sera écrit à la fin. Bon, allez, c'est parti, on va pouvoir lancer. On peut afficher les écrans si vous souhaitez. Moi, je pars au dual. On est ok. Regarde, tu vas voir le même. T'inquiète pas, les gars. Et dans la tête. Pourquoi la bouche elle a pas marché? Ah oui. On l'est bien, Bob, on l'est bien. Il maîtrise très bien les combos du marteau en bâchant. Oh non, Bob, tu m'empêches de DPS, Bob. Le salon, il me sabote. Allez, go. Paralysant. Téléco, on joue la vie. Let's go. C'est parti. Poudre de. La perf, c'est maintenant. Si tu les as. Ouch. Putain, j'ai pas beaucoup de vie, je suis empoisonné. Prends un steak à points si t'en as. Je rappelle, je n'ai jamais joué à des potions à prendre, des potions secrètes, Bob. Prends ton steak et une potion secrète. Mais okay. Non, si tu mais en... non. Oui. Ce qui vient de se passer, c'était. Je suis le je suis monté, Bob. Je suis monté. Tu essayes de taper au mieux. Moi, tu je vais triangle, le paralyser triangle, avec mes couteaux de paralyse. Pourquoi je fais rien en dégâts? Et prends ta popo secrète aussi. Avant que ce soit rond, triangle, je vais te redire ça.
La popo attention, secrète te met il est dans les airs. Non, c'est bien ça, c'est bien triangle, triangle. Le feu. Oh le stress. Oh le stress. Ah oui, là c'est palpable. Okay, ok, c'est bon, j'ai. Ok, c'est bon. Oh là, il est tombé, vas-y, à toi de jouer. Putain, je suis désolé, Xelecon, non. Oh, déjà, allez, mon petit Bobby. On est qu'est-ce qui vient de se passer. Magnifique, magnifique. Vas-y. Oh là là, on est bien. 5. Je vais réessayer. Ouh, je vais prendre un tampon. De le paralyser. Ouh, je prends mon tampon. Ouh, je l'ai pas. Ça, c'est les strats. Ouh, la boule de feu. Ouh, j'ai ah oui, il est tombé, il est tombé. Ultra instinct. Non, bien il est joué. Fin, il est stagger, pardon. Allez, la petite vas-y. Qui va venir. Mets le grappin, saute dessus. Allez, ça va le faire. Aïe, ça. Aïe, 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 aïe. Oh là là, j'ai pas de vie en fait. Ah, j'avais oh, pas de vie. Benzou. J'ai pas regardé ma vie alors que ça se passait bien à peu près. Oh oui, donne-moi de l'attaque. Shit. Oh ouais, oui. C'est, merde. C'est horrible. Attendez, alors j'étais en train de. C'est buff bien savoureux. Très savoureux tes buffs, je t'en remercie. Ah, j'ai loupé. Mais de rien, parce que c'est clairement toi qui fais le DPS. Si tu veux. Putain. Comment il se fait pas flasher Steak, potion secrète. Oh, oh là 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 là. Alors, oh le stun. Okay, oh le stun. Bon. Ah putain. Moi je suis zéro en quête arène. J'ai pas été empoisonné, tout va bien. Ouh, ouais. Très bien, très et bien. La potion secrète et j'arrive. Absolument, j'ai eu le temps de me soigner. Alors, quand il a son quart d'heure américain là. Tu roules trois fois pour enlever le feu. Ah ok. Alors là, il faut un antidote. Je brûle. J'arrive pas à monter dessus. C'est bon, on maîtrise, on contrôle. Ouais, tout brûle. En contrôle. Oui, tout en contrôle. Oh là 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 là, je me martyrise. J'aiguise pendant ce temps-là. J'ai pas de life powder. Je sais pas si j'aurai assez d'endu parce que je peux même pas bouger. J'ai pas pu bouger, j'ai pas pu faire une seule roulade. Un joystick pour te déplacer sur le monstre. Il y a que des stuns pour bouger le joystick de mouvement. Attends, est-ce que les tombes, il fait sa vie. Pour Eclipse, je n'ai rien pu faire. Allez, ouh là là, allez, le poison. Est-ce que tu as des couteaux de paralysie Allez. Non. C'est bon. Je te conseille vivement les et bam. Et bam. Allez. J'ai de la poudre végétale. Ah oh, mais c'est horrible avec le marteau, ça. Ah, il faut que je me tienne loin. Je comprends rien du fonctionnement de l'arme. Mais j'ai attention, attention, il est sur toi dans sa tête. R2 pour passer en mode démon. Il s'endort. Ouais. Il s'endort, stop, le taper, stop. Merde. Et prépare une bonne petite charge, je crois, dans cette. Parler. S'il te plaît. Avec le marteau qui s'illumine. Voilà. 1, 2, 3. Double de dégâts. Ok. Vas-y. J'ai compris ce que tu disais. C'est sensibilisé. Ah merde, il fallait dire le R2. Vas-y. Lâche. Ok. Non, qu'est-ce que t'as fait? Mais quoi? Mais j'ai lâché. On est bien, Bobby, on est bien. Quoi, charge 3, Benzou. Viens un petit peu au fond de la map, voilà. Tu as chargé de la map, ton arme, mais tu n'as pas lâché. Attends, j'ai besoin d'une baissoin. Mais pourquoi il veut pas qu'on juste lâcher R2? Rapinage. On est censé. À chaque fois, on dit genre, il suffit de lâcher, mais je lâche R2, il se passe de la merde et on regarde ma gueule à chaque fois. Oui, faut lâcher R2, ouais. Mais je fais que ça. Ou alors, faut pas. C'est qu'il faut charger un peu plus la troisième fois. Oh là là, pas balancé, mais la régie elle est en train d'aider Benzou. Hein, non, parce que genre à chaque fois on me dit genre c'est bon, écoutez, vas-y. Ouh là là c'est là un là. Fiasco. On est bien, Bobby, on est bien. Ouh là là. Il est fatigué. La bête est fatiguée. C'est le moment. Montre-moi ton plus beau DPS, Bob. C'est terrible. Tout dans la tête. L'endormir, mais tout alors dans la les tête. Combos sont tellement pas. Anti-bois. Let's go. Ah, GG. Vas-y. Sur la tête, vas-y. Que t'as une petite poudre à mettre éventuellement. Oui, j'ai GG. Ça. J'ai ça. Oh GG, c'est beau ça. Et si t'arrives pas à la tête, fais au niveau des pattes pour le faire la tomber. Poudre. Ouais. La poudre, Vito. Oh là là. C'est bon, ça a été mis. Oui, belle. Ah putain, je me suis fait repousser. Alors si une tu peux regarder dans ton inventaire, Atto, tu as des petites seringues paralysantes. Oui, je les ai mis déjà. Ça a pas marché. Oh oui, il est par terre. On va réaiguiser parce que mon marteau là c'est même plus si un marteau, veux, c'est un bâton. Capsule aveuglante dès que c'est ça s'envole, c'est ça. C'est ça, tu les prépares et... Ouh, il a lâché sa première capsule, ça veut dire qu'il est bientôt faible. Impeccable. Oh là là, mon dieu, incroyable, c'est la première, j'arrive à faire bien. Oh là là, oh putain, j'ai... Je suis en train de cramer encore. Est-ce que tu as les capsules sur la terre, aveuglante, Bob? Je grimpe, je prends bien je tes potions. Ça marche à tous les coups quand il est en l'air ou... Ouais. Réveille-toi, sac à vomi. Poison. Désolé, je l'ai raté avec le lag. Aïe, désolé. Viens par ici. Viens dans la fumée verte que je viens de poser là. Ok. Allez, mamie. Ouh là 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 là. Il est colère, Il reste des couteaux quelconques à mettre. Il est très colère.
J'ai somnifère. Vas-y. Ouh là là, il est en train de te douiller là. Je suis en train de lui fragiliser la tête. Ouais, j'ai pris. Oui, bah ça va, je vois ça. Faut mettre dans la tête, préférentiellement. Oh, elle est belle, magnifique. Enfin, il est au sol. Magnifique. 4. Vas-y, grappine. C'est bon, il est exceptionnel. Sur ses ailes. Méga bombe artifice. Voilà, ça c'est bien. 3, 2, 1, go. Ouh, c'est loupé. Ouais, deuxième folie, capsule, ça veut dire qu'il est bientôt. Vas-y, grappine. Tant qu'il est comme ça, bientôt terminé. Il est bientôt terminé. Là, j'étais parti sur un combo rond. Fragilise à fond. Allez, on est pas mal là. On est pas mal du tout, hein, Xélecoin. Je pense, mais. Tout dans la tête au marteau. On va voir les autres oui. Après, quoi, mais. Elle est belle. On je roule sous la queue. C'est beau, Bobby. Oh, c'est beau. Merde. Là, j'ai bouffé. Oh là là. Ah, désolé pour le chat, on a limpe, mais là, c'est parce que c'est le. Non, j'allais dire non. J'allais dire le skill, mais non, c'est faux. C'est le skill. Ah, mais vas-y. Ouh, les potions. Bois les potions. L'antidote. Ah, oh, ça fait tellement mal, c'est beau le feu, mon dieu. Vas-y, j'ai pris l'aggro. Réveille-toi. On est bientôt au bout, Bob. On est bientôt au bout. Chien. Oh non, mais non, j'étais en train de me soigner. Il m'a incinéré. Bonus de vie, j'ai. Oh, je me fais rater. Yeah, let's go. Il l'a ramassé. Il a bien ramassé. Cet animal ramasse beaucoup. Attention. Oh là il faut là que là je te mette le bonus d'attaque. Au secours. Qui doit gérer toute seule? Faut la tirer là-haut, Parce que là, quand il vole, si t'as plus de capsule. Oh là 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 là. Essaye de taper un max là où c'est fragilisé, là où c'est un peu blanc, tu vois. Ah, il est tombé. J'arrive. Ouh. Eh oui. Il est tombé. Oh, ils l'ont eu. On va voir le temps. C'est important de voir le temps. Et ben bonus vie, bonus bourrasque. Et 8 minutes 13. Bonus d'attaque. J'ai 0 accident. C'est divin. 8 minutes 13. Ah, oh, vous avez géré 13. De ouf. Bravo. Dépêche. Dépêche, Altaïr, qu'est-ce que tu fais? On dépêche pas en arène. Ah bon? Ah merde. Ah pardon. Je suis dégoûté. La déception est palpable. Attention. Et ben honnêtement, la cornemuse, très fun. Et vraiment, quand t'as quelqu'un qui te PL et que tu lui boostes sa force, comme je l'ai fait au début, la vie et tout le reste, c'est confort. C'est heureusement que ce monstre avait quand même des attaques. Il fait les boules de feu. Ouais, vachement téléphoné parce que ouais, il est plus simple que les autres celui-là, c'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça. Il est costaud mais il est quand même Sauf quand il s'énerve, quand il s'énerve et qu'il fait du feu en zone, là il faut faire des roulades propres. Du coup, je suis empoisonné à l'infini. Mais non. Muscle ton jeu, Benzaï, muscle ton jeu. Merde. Ouais, c'est dur là. Ah, c'est plus à moi qu'il le dit, ça veut dire qu'il est fier. Putain. Bah oui, mon petit Bobby, là, ça fait du buff qualitatif. Ah je t'ai vu, tu n'es pas mort. Ah, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts et j'ai temporisé un max aussi. Surtout quand j'étais empoisonné parce que je sais que ça peut être ultra vicieux vite en fait. Alors on a pris la main. Il y a un antidote. Voilà, il est tombé. Il y a des antidotes dans ton inventaire. Oh, putain, je suis oui, attention. J'ai bu l'antidote, mais ultra longtemps à être buste. Ouais, c'est vrai. Il a une grosse contenance, l'antidote. Grosse bouteille. Perso, il est bourré quoi. Ah non, là on est un peu en retrait, hein, côté temps. Sur la tête. Désolé Xeleco, franchement j'ai vraiment mis le max, mais je connais tellement pas l'arme. De... Difficile tout ça. Il y a de la concentration, hein, Bob, c'est à nous de faire le show là, hein. Regardez-les. Viens faire un bras de fer, Altaïr, ou t'es pas un homme. Vas-y, je viens. Vas-y, profites-en, il est en train de brancher le chauffe un peu. On a gros. Ok, allez, je suis chaud. Vas-y, je te prends au bras de fer. Je te prends au bras de fer, tu vas voir. J'arrive dessus. Allez, spin dans ses pattes, voilà, il est tombé. C'est bien. Ok, t'es prêt? Je te tiens, t'as aucune chance. T'as encore des flashs? Oui. On va voir si t'as 30 piges. Mais on se gêne, pas déguisé, toi. Merde, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on se gêne. Je suis pas bon. Ah, si on peut l'amener, genre par là. On l'a retrouvé. C'est toi qui l'as tué! Il est mort, oui! On est les derniers, je suis désolé! Je suis mort, mais je suis tellement désolé! Appuyez sur le gros bouton pour mettre le timer pour la régie. Ouais. Attends. Attention. 10 minutes 8.
C'est écrit où? Oh, ah oui, on a 10 minutes 8. Je suis désolé, Xeleco, c'est pas faux. C'est combien? Je pense qu'on a mis au moins 8 minutes quelque chose. Ah ouais, mais je sais pas si vous avez. Ouais, mais Xeleco, le pauvre, il a Atomium dans sa team. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais j'ai fait que mourir, j'ai jamais mis. Non, mais Benzo, il a moi dans la team. Je suis zéro en quête arène. Ah, c'était compliqué. Mais merci. Ah, c'était chaud. Ah non, il est invincible ce Bob, c'est incroyable. Et tu sais quoi, je me fatigue même pas, hein. J'ai incroyable. Même pas respiré du nez, si tu veux. Ah, 1 minute 39. Il a une manette turbo, il ment, il ment. Dommage. Ah, franchement, super dur comme arme, je trouve. Enfin, c'est peut-être simple à jouer, mais c'est juste que... Voilà, merci, les gens dans le chat ont vu en fait facile, mais quand j'essayais de viser la tête, si t'avais jamais joué Marco, ton mongolisme sur les double jacks m'empêchait en fait de finir mon big bang. Désolé. Et du coup, en fait, genre... La meilleure arme, c'était Marco. En fait, mon bonhomme, c'est... Non, attendez, madame, c'est mes courses, c'est que... Les duels, c'est chiant en multi. C'était au début avec Altair, j'étais très fier d'avoir réussi à caler mon attaque, sauf que j'ai tout mis dans le dos à Altair, et tu me niques mon DPS parce que je lui mettais les coups de cornemuse dans la nuque, tu veux. J'avais besoin d'un petit massage, si tu veux. Donc, le massage thaï à la cornemuse, c'est quand même quelque chose de... que j'apprécie. Massage écossais à la cornemuse. Prends les gouttes. Bob. Je vends tout. Bob. Ah, pardon. Il faut que tu sortes la pièce, puisque... Alors, on nous l'a dit en régie. Nous n'aurons plus le temps pour faire d'autres monstres. Donc, c'était le dernier, effectivement. Je l'avais finalement bien mindé. Donc, finalement, c'est vous, GG. GG. Eh bien merci, c'est grâce à Bob. Bravo, comme les autres. Bravo Albert, bravo Bob, franchement. Ah c'est un mot-clé ? Il faudra non, un mot-clé. Altair a PL à l'infini et surtout il explique tellement bien, c'est un régal. Il est très fort. PL. Power leveling. Bah, le mot-clé, ça va être PL, hein, non ? Si tu veux. Pour mettre dans les chats, c'est ça ? Ouais, exactement, dans les chats. Dans les chats d'Altair et Bob, de moi-même et Bob. Uniquement Altair et Bob. De moi la troisième personne, je suis comme un indolent. Ne commencez pas à bourrer. Point d'exclamation PL en minuscule. Point d'exclamation PL en minuscule. C'est parti. C'est parti. Sachant que. Okay. Alors attends, très important. Alors rappelons qui a gagné parce que. Alors, on refait la totale. Sachant que entre les deux vainqueurs des deux chats de Altair et de Bob Lennon, il n'y aura qu'un vainqueur déterminé par la pièce, la cruauté. L'autre pourra repartir chez lui avec la seconde place. Et la seconde place, le mot important dans la seconde place, c'est qu'il avait presque gagné. C'est presque le mot-clé. C'est tellement bien la sauce, quoi. C'est lui, c'est hashtag PLS. Tu vois, c'est l'autre truc. Mmh. Bon, ouais, et ça, donc à gagner, bon, nous avons toujours une exclamation PL. Et ceci dit, non, bref. Ma tête de donc, nous avons en lot. Là, je sais pas si le visu pour arriver vers nous ou pas. J'attends. Pour le moment, Bob qui boit des coca. Azou, la caméra, vite. Azou, dépêche-toi. Ça, la régie est endormie. Ah oui, là, c'est ça. C'est bon, c'est la fin de soirée. On est tranquille. Voilà, c'est la régie. Donc, on a besoin de vous. À la place de ma tête honteuse, il y a une collector donc, de Monster Hunter World version PS4 édition de base avec donc, la figurine du Nergigante, l'artbook du jeu. Vous avez aussi un extrait de la bande-son avec le jeu, bien évidemment. Et au-dessus, vous avez donc en fait le jeu Iceborne plus le jeu de base. Donc ça veut dire qu'il y a un jeu à gagner en plus. Et voilà, donc de quoi jouer pleinement et avoir sa petite figurine et tout ce qui va bien. Et je ne sais pas ce que tu es en train de faire. La bande-son est, la bande-son est sympa parce que... Silencieusement. Alors, ouais, la BO est géniale. Ouais. La bande-son est-elle sympa? Parce que voilà, on l'entend très peu au milieu des. Alors. Et puis il te crache du feu sur la gueule. Oui, oui, la bande-son est très bien. Je donne la réponse honnête, Bob. C'est qu'en fait, la bande-son, elle est très chouette. Elle est vraiment très très chouette. Mais j'avoue avoir un coup de cœur vénère pour toutes les versions de jazz qui existent sur le net en mode album, pas toujours officiel. Oui, bonne référence aussi à Atomium. Monster Hunter Jazz, c'est les albums incroyables. Monster Hunter Orchestra, qui est pas quelque chose. Moi, j'ai une préférence pour le jazz. Mais le jazz, je trouve que vraiment, ça a une consonance parfaite, tu vois. Et ça, c'est tellement bien. C'est chill à souhait. Donc voilà, si jamais. J'avoue. Tout ça en lisant un petit Évangélion pour être un bon gros whip. Oui, exactement. Et après, t'as gagné ta soirée. Attention, attention. On ne stigmatise pas les gens qui aiment le Japon, s'il vous plaît. Attention. Et donc, oui, on y est. Tirage au sort. Tirage au sort. Attends, est-ce qu'on fait pas un dernier bras de fer, Bob? T'es chaud ou pas? Au final, au bras de fer. Allez. Moi, j'ai été invaincu durant toute la soirée. Donc là, même si je perds, Atomium ne pourra jamais que se poser la question est-ce que j'ai fait exprès pour non, mais je peux pas admettre qu'une enfance de Trakenfield et de célibat m'empêche de te vaincre. C'est pas possible. Où es-tu? Clairement, t'as pas été assez célibataire. C'est pas possible. Je suis au tonneau, je t'attends. Mais non, mais il y a Doula qui est dessus là qui attends.
Attends, on attend. FT3, il faut kicker quelqu'un de la session, tu peux le faire, s'il te plaît. Hein, pourquoi FT3, FT3, il faut qu'on enlève Doula. Mais bien sûr, si Doula, faut qu'il dégage. Je le fais. Alors du coup, Atomium, en toute amitié réelle et dans le respect que je te dois, les insultes de préalable, Atomium, tu n'as aucune chance, virgule, catin. Voilà, attends, je te prie. Tu devrais lui jeter ton gant. Je pense que tu devrais lui jeter ton gant. Alors attends, parce que là, je... Deux secondes. C'est la politesse, c'est la politesse. Je me concentre, je me mets bien, on est bien. Non, il est fort, j'avoue. Allez, il est là. FT3. Enfin, FT2. Mais arrêtez. Celui-là, il vient de chez moi. Celui-là, il va te mettre la douille, Bob. Tu vas bien voir. Regarde bien. C'est mon modérateur. Difficulté modérée pour le modérateur. C'est toi qui peux doser. Ah, voilà. Bon, dernière chance. Voilà, bon, je jouais pas. Hein. Quelqu'un qui écrit dans le chat, je défie le Lennon, t'as pas assez d'abonnés pour ça. C'est qui le leader du groupe? Allez, viens, vas-y, c'est bon. Bah, bon peut... Non, toujours pas. Bon, ouais. Okay. Ça y est. Putain. Allez, attention, ça y est. Toutou. Allez. Régimez-le. Très belle technique, une technique de droite, c'est pire de Atomium. Oh, qu'il est fort. On sent la jeunesse. Il a raté. Mais c'est incroyable. Mais je vais à la salle, moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli faire un AVC, mec. Putain, c'est pas possible. Ça. Faut se réduire à l'évidence. Ce soir, Bob était supérieur. Best tout 3, il travaille pour le guac. Alors, ouh, y'a Mimek. Tu vas la lancer très très haut. Oh, Mimek, bonne chance. Alors, Mimek. Chez Altaïr, nous avons Mimek, ou Mimesh, oui. C'est comme ça. Et chez moi, nous avons Greyfoxy, qui est un assidu chez moi. Donc là, impartial, Bob, impartial. Et délicieux. Du attends, coup, qui est pile, qui est face peine, c'est Atom qui choisit qui est pile, qui est face. Le coin toss avec la pièce qui tombe hors champ, donc s'il y a une deuxième pièce. Ah non, c'est non, ça. Non, il y a pas de. Ouais, je dis Bob, il est face. Allez, c'est bon. Le bras de fer choisit ça à son côté. Face, on est d'accord que attends, face. Attends. Ah, le père. Ah. Le perdant va quand même gagner un jeu. Mais pas la collector. C'est pas la collector. Ah, c'est cool. Donc du coup, on est d'accord que face, c'est l'endroit où il y a Mizu et Léon, et que pile, c'est la police. Ouais. Très bien. Okay. Pile la police. Donc il y a au minimum un jeu Iceborne à gagner. Et peut-être. Mais qui est face l'édition collector exceptionnelle. Tu as dit que j'étais qui? Tu es face, Bob. Je suis face. Donc Bob, moi, je suis Léon et Mizu. Avant ce duel, je tiens à te proférer une insulte. Catin, voilà. Donc maintenant, tu peux le faire. Bah, bien sûr. Alors, moi, j'ai une insulte désuète que j'aime beaucoup. C'est Greluchon, qui est homme de petite vertu. Homme de petite Greluchon. Et puis ça lui va ça bien. Ça existe vraiment. Ouais. Ça lui va bien. Oh, le setup. Ah ouais. Là, il y en a pour des milliards. Hein. Tu ne touches pas la pièce. C'était un vrai lancé, ça. Je n'ai touché à rien. Avec les surgelés, avec Picard, c'est ça a rapport tourné, à rien. Pile. Alors, pile. J'ai pas assez de câbles sur la webcam. Mais vous allez voir qu'il n'y a aucune tricherie. La litière du chat, s'il vous plaît. Aucune tricherie. Aucune tricherie. Et c'est tu pile. Alors que la pièce est rapportée sans aucun truc. Et c'est face! Ouais et c'est face, mon gars! Bravo! Incroyable! J'ai tout gagné ce soir! Tout gagné! Aucune défaite! Ben là, j'avoue, Bob, c'était beau! C'était c'est parce très, que très j'étais sur la pièce, c'est normal! Alors, est-ce qu'on peut revoir les pseudos, s'il vous plaît? Ma collector! Alors, qu'on résume, si je comprends bien, la régie a confirmé que j'ai pas de conneries! Félicitations à Greyfoxy d'avoir gagné donc la collector Iceborne sur PS4 de Monster Hunter 3 World. Non, la collector Monster Hunter World, excuse-moi. Et la collector 3 World Freedom. En fait, c'est voilà. La collector de World Mémet, plus Iceborne. Mémet pour avoir gagné le jeu. Voilà. Mémet, c'est le jeu. Ça, c'est les deux lots. Parfait. Three World. Mémet. Ah, vous avez PSP aussi. Bande de fifou. Ok, voilà. Très bien. Le voyage au Bahamas, ça c'est pour nous. Oui, évidemment, voilà. Oui, bien sûr, entre autres. Entre autres merci choses. Capcom. Et c'est ainsi. Attends, je regarde. Ah bah oui, c'est bon. Oh. Hop là. Terrible. Et bien voilà. Ouais, il a géré quand même à te mettre. Oh, bras de fer. Ah, c'était le bizutage à l'infini là. Je tiens à le dire, j'avais jamais fait ça de ma vie. Attends, c'est où le bras de fer? Le bras de fer, attends. Bras de fer, y'a personne là. Ah non, mais pas là. Ah, c'est trop tard. Si, y'a Benzaï. Benzaï, on te regarde. La France te regarde, Benzaï. Vas-y, Benzou. La France te filme. C'est la tête de cochon, Benzaï. Benzou, si tu gagnes à la fin, c'est que toi qui repars avec le roi du vainqueur. Ben. Non, ça se voit que c'est un homme de petite vertu. Ah, il a gagné. Il a gagné. Bravo, Ben. Il fait honneur.
La force tranquille. Non, ouais, incroyable. Je pense qu'il a fait exprès. Il était bon. Usé. Non mais attends, il en a tué 20 avant toi. Je pense que c'est il y a un moment, il en pouvait plus, tu vois. Bravo Ben. Tu mais comme c'est ça, bon. Finalement, c'est beau, c'est beau. Le mariage n'empêche pas de se muscler l'avant-bras. Donc voilà, on a la réponse. En fait. Oh, ça c'est une belle chose. Terminer le match, je pense que c'était le meilleur moment. Mais moi je suis content. Tout le monde, je suis content qu'on ait tous découvert. Tout le monde est ravi en régie. Le meilleur mini jeu de bon goût, voilà. Le meilleur mini jeu de Monster Hunter. Et d'ailleurs, je tiens à montrer. Est-ce qu'on peut montrer la caméra de mon jeu? Le meilleur truc à faire de Monster Hunter, c'est s'asseoir dans une table, sur une table pardon, et d'appuyer sur. Et de boire des bières. Ouais. Oh, c'est trop bien. Bien sûr, voilà. Mais tu sais que au bout. Et ça. Alors, ça, c'est bien, je ça. Sais pas s'ils l'ont gardé dans World, mais au bout d'un moment, à force de boire des bières, tu te relèves, t'es bourré et tu tombes par terre. Oui, ils l'ont gardé, bien sûr. Ouais, ah, ils l'ont gardé, bien. Ils l'ont. Il faut boire beaucoup. Il c'est faut important, boire beaucoup. En fait. C'est le. Voilà. Messieurs, dames. Je mâche. Hein. Nous arrivons au terme de ce live. Oui. T'as une jolie console au passage, petite parenthèse. Mais merci beaucoup. Ah ouais. C'est ma console collector Monster Hunter World, voilà, que j'ai acheté avec le jeu. On pourra pas la montrer, mais elle est magnifique. Les câbles. Ah, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Tu fais ah si, regarde, oh là là, ah, oh là là, ça frime, ouais, ça frime. Ça c'est ma console, voilà. Elle est très belle. Oh là là, ça frime. Ah, j'avoue, très très classe. Avec la manette qui va avec, bien sûr. Hein. Oh, mais allez, vas-y, on recommence. Oh là là. Et ça part. Elle n'est pas à gagner, bien sûr. Non. C'est niette. Jamais de la vie, c'est la mienne. On refait un bras de fer et on remet en jeu la console. La console, Tyrannosaure, la manette, Diplodocus, le sac à dos en croco, tout. Tout est Monster Hunter. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vois en régie que ça baille, que ça se tire les yeux, que ça a faim. Il va falloir qu'on termine ce live. Merci d'avoir suivi ça. On espère que ça vous a plu. Ben, il faut qu'on termine. Merci d'avoir suivi ça. On espère que ça vous a plu. Grosse soirée. Vous pouvez retrouver Xeleco sur sa chaîne live, sur sa chaîne YouTube. Il fait plein de choses concernant Monster Hunter, mais pas que. D'autres contenus. Un expert. Allez, un truc qui arrive bientôt. En ce moment, je suis toujours un peu sur Captain Tsubasa et puis de jeux mobiles divers. Et. Sur PC, il y a aussi pas mal de Pokémon Masters. Sauf qu'on en parle d'ailleurs, j'ai des questions à te poser là-dessus, parce que j'ai beaucoup de questions sur ce truc-là et j'espère que tu restes un petit peu après. Ensuite, mais qu'est-ce qui se passe ? Altaïr ? Je suis triste, je voulais pas que ça s'arrête. Eh oui, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Altaïr a goûté aux amis, c'est fini, il peut plus s'en passer, il est brisé. La vie sociale, enfin. La vanne vénère, putain. Altaïr, du coup, où est-ce qu'on te retrouve juste après ça? Dis-nous tout un petit peu. Bah sur Twitch. Ouais, sur Twitch. Twitch, bien évidemment, la chaîne s'appelle Altaïr Hunter. Venez passer un bon moment en ma compagnie. Notamment sur Monster Hunter, mais sur plein d'autres choses. Très voilà. Bien, très pas bien. Pas trop grand chose. Est-ce que tu montes du endgame un peu vénère là en ce moment? Ouais, là, on est sur du endgame pas mal vénère, ouais. D'accord, prochain live c'est quand? Probablement ce week-end. Et ben voilà. Demain, il y a autre chose, il y a une autre actualité. Donc d'accord. Voilà. Et bien, si ce week-end vous voulez voir le endgame, vous pourrez tomber donc, sur la chaîne d'Altaïr. Altaïr Twitch tout simplement. Enfin, c'est Altaïr Hunter. Altaïr Hunter, tout très bien. Benzou, ton actu, t'en es où? On prépare de très très grosses choses sur la chaîne, notamment, c'est marrant, on a vite fait parler de Witcher, j'ai peut-être une grosse vidéo qui va parler du sujet et que ça peut être même officiel. Donc, d'accord, ok, très bien. Dis rien des belles choses à voir. Mais des belles choses, ouais. C'est quand le prochain Hard Looter? Le prochain Hard... Le mec, il les regarde tous, tu sais. Le prochain Hard Corner très bientôt, c'est ce mois-ci, et la suite de Hard Looters peut-être... plutôt que vous ne pensez, voilà. Très impatient. Ah. Je suis vénère, hein, sache-le. Ah ouais. Bon, de vrai, évidemment, ça parle de choses qui me parlent, donc effectivement, c'est un sujet qui va bien. Et Mizu, du coup, alors, où est-ce qu'on te retrouve bientôt? Moi, je live à peu près tous les jours en ce moment, je fais que du Iceborne, et surtout, on est à J-7 du The Event, quand même, les gars. Il est vrai. Déjà la semaine prochaine. Et ouais, c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. Parle, et j'ai très très hâte, ça va être très très bien. N'hésitez pas à venir nous voir, hein, nous les 55 streamers au The Event. Moi je vais préparer, comme l'an dernier, on fera un peu de Just Dance, je ferai du Iceborne. J'ai prévu de faire Ori and the Blind Forest. Ok. Et je suis en train de préparer un petit setup pour faire du DDR en versus aussi là-bas. Ouh, vénère, ça aussi. Très, 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 très vénère. Ça va être très, très bien. On va bien s'amuser. C'est cool. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir suivi tout ça. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve très bientôt chacun sur notre channel et tous ces trucs-là. Merci. Et puis, on vous remercie. On remercie la régie également qui a été là et qui a été, bien sûr, au taquet. Mais Bob, mais Bob, sois ici, merde. Pourquoi t'es pas venu? Comment tu veux que j'oublie pas, moi, Bob? Je ne suis pas venu et j'ai tout gagné. Quelque part, j'ai fait les bons choix. Merci et à la prochaine. Il joue à domicile aussi. Bob, tu fais quoi bientôt? Là, t'en es où? Là, du prochain et là, live, pour l'instant, demain, je suis à Valence pour une convention, le Manga Galaxy, bien évidemment.
Et ah, dans deux demain. Semaines, je vais faire du doublage avec Benzou au passage. Oui, c'est vrai. Nice. Si tu t'en souviens, il y a des boîtes. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, je dois y aller. Non, mais, en plus, on sera dirigé par Brigitte Lecordier, notamment. Ah, nice. Tout à fait. Je fais toujours mon YouTube. Je suis toujours dans l'incapacité de dépasser les 2 millions d'abonnés, tout comme Benzaï ne grandira plus. Ah, quel force le problème. Ce sont des limites comme ça. Oh mon Dieu. Courage, je vais plaindre cet homme. Courage. J'espère que c'est pas trop dur d'être bloqué à 1 900 000. Même à distance et en étant désolé de ne pas pouvoir être avec vous, je me suis éclaté. Le setup était complexe, super. Mais finalement plutôt confortable. C'était fantastique et je vous fais de gros bisous à tous. Ouais. Et GG encore une fois la régie, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que le setup était quand même audacieux et c'est bien passé. Et contrairement à ce que vous pensez, Bob n'est pas sur une rocking chair pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir. T'arrêtes, oui, c'est non, je me balance. Non, c'est l'autisme, le pouvoir de l'autisme. Voilà. Mais j'ai tout gagné, donc est-ce que j'ai fait les bons choix? Non, mais j'avoue, tu as fait les bons choix, Bob. Merci encore à vous et à très bientôt. Bye, à la prochaine. Bonne soirée. J'espère que la régie est prête pour couper. Bye. Bye bye. 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 Happy hunting. Peggy 16.